l'Esprit Saint vient. Alléluia. 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 Qui est dans la joie d'être là. En ce jour, tu n'es pas là-bas, mais tu es là. Au bon endroit, la bonne personne et au bon moment. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Hey! Alléluia. Soyez les bienvenus à Impact sans chrétien dans cette plateforme où on produit des champions, des disciples qui témoignent de Christ à leur génération, qui vivent pour étendre le royaume des cieux sur terre. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer l'ambassadeur qui est à gauche, à droite, derrière, devant? Salue l'ambassadeur qui est là avec joie parce que nous sommes de ceux-là qui ont vu la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Alléluia! Après que tu aies salué ton voisin, est-ce qu'on peut saluer la présence de celui qui nous a gardés? Il ne sommeille ni ne dort. Si je suis là, c'est parce que lui m'a gardé. Il m'a protégé. Il m'a mis à part pour le célébrer. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu dois célébrer Dieu aujourd'hui, fais-le de tout ton cœur. Souviens-toi de ce Dieu qui a pris soin de toi jour après jour, mois après mois, seconde après seconde. Alléluia. Est-ce que, avant de décoller dans ce culte, on peut prendre le temps d'acclamer le Seigneur? Laisse la bonté parler. Laisse la reconnaissance parler. Fais monter. Oh yes, gloire à Dieu. Alléluia. C'est avec assurance qu'aujourd'hui, je peux dire que l'Éternel a été mon berger. Pendant toute l'année 2017, je n'ai manqué de rien. Il a conduit mes pas. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, il a été là avec nous. Il nous a secourus. Et mon frère, ma soeur, je veux te dire en ce jour que la reconnaissance a un langage. La reconnaissance a un cri. Ou est-ce que dans ce culte, dans cette atmosphère de reconnaissance, tu peux donner à ton Dieu des actions de grâce. Lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Papa, nous te disons merci. Dis merci à Dieu. Toi seul sais ce que ce Dieu a fait pour toi. Dis-lui merci. Je viens pour te dire merci, papa. Oh, mes mots sont peu nombreux devant tes bienfaits. Mais Père, le mot merci, c'est celui que j'ai trouvé pour t'exprimer ma reconnaissance aujourd'hui. Je viens pour te dire merci, papa. Je viens pour te dire merci, papa. Je viens pour te dire merci. Merci papa. Merci. Merci papa. Oui, je viens
je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Tu as fait.
qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je dis qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Oh, qu'il est bon de te louer Dieu. Oh, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je dis qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Qu'il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Je célèbre mon Dieu. Alléluia. Oh oui, je célèbre. Je célèbre mon Dieu. Alléluia. Oh oui, je célèbre mon Dieu. Alléluia. Pour ses bontés dans ma vie. Alléluia. Pour ses grâces dans ma vie. Alléluia. Je célèbre mon Dieu. Alléluia. Oh oui, je célèbre mon Dieu. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait en 2017. Alléluia. Il m'a gardé en 2017. Il m'a guéri en 2017. Alléluia. Il m'a béni en 2017. Alléluia. Il m'a relevé en 2017. Alléluia. Il m'a restauré en 2017. Alléluia. Il m'a fiancé en 2017. Alléluia. Oh, moi je chante pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi, je crie pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je dis, moi, je crie pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi, je saute pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi, je danse pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, moi, j'acclame mon Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je dis, moi, j'acclame mon Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Jésus, je t'appartiens. Désormais, avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, Baba Wawushima. Baba Wadileva. Oh, Baba Wamakendo. Baba Wadileva. Oh, Baba Wawushima. On va faire quelque chose avec le batteur. S'il bloque, on bloque à gauche. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de Jésus. Alléluia. Je ne bloque pas pour mon voisin, mais je bloque d'une manière d'être reconnaissant. Alléluia. Si le batteur bloque, on bloque à gauche. Après, on bloque à droite. On y va. On y va. 1, 2. Oh, Baba Wawushima. Oh, Baba wa mapendo, eh. Yo ka toko ponga kaka boye. Wa mileba. Oh, toko longa kaka boye. Wa mileba. Oh, toko bala kaka boye. Wa mileba. Oh, toko longa kaka boye. Wa
qui fait asseoir à la table des rois. Louange, acclamation. Acclame-le. Acclame. Acclame. Comme jamais. Acclame. Avec les cris. Acclame. Acclame le Seigneur. Nous élevons le roi de gloire. Celui qui est assis sur son trône. Et il mérite toute louange. Toute gloire. Je dis acclamons. Est-ce qu'on veut dire ensemble acclamons? Oh, acclamons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire du bruit ici en l'honneur de Jésus? Ah! Ah! Non! Il y en a qui ont compris. Il y en a qui ont compris de quoi je parle. J'ai demandé s'il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à Jésus par des cris et des cris et des cris de triomphe ou des cris de joie. Ah, Seigneur, merci. Gloire à Jésus. Nous te célébrons et nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants, excellent Père de grâce et d'amour. Merci, merci, merci. En ce jour que tu as créé, nous voulons te dire merci. Merci, nous sommes reconnaissants, merci. Tu es bon, Papa, tu es notre Abba, notre Père, notre Seigneur, notre Jésus, le Christ. Et tu es là par le Saint-Esprit. Nous honorons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous t'aimons et nous te chérissons. Nous t'apprécions. Merci, merci. Vous savez la raison pour laquelle nous prenons le temps, vous voyez aujourd'hui, depuis tout ce mois de décembre, d'exalter, on prend un peu le temps, on déborde un peu, pardonnez-nous. Mais c'est parce qu'il est important de savoir prendre le temps de s'arrêter, surtout à la fin de l'année, le dernier jour de l'année, il est très important de s'arrêter. À chaque cycle, chaque 24 heures, c'est un cycle. La Bible dit qu'à chaque 24 heures, il dit, ses bontés nous sont renouvelées à chaque matin. En fait, quand il dit matin, il ne parle pas des 6 heures du matin, il te parle de quand le cycle change, les bontés de Dieu sont renouvelées, les grâces de Dieu sont déversées. Dieu fait toujours, c'est parce que les humains sont ignorants, ne perçoivent pas les réalités du monde spirituel. Nous ne comprenons pas que dans le monde spirituel, qui contrôle le monde naturel, chaque nouveau cycle, de nouvelles grâces sont libérées. Mais vous savez, quelqu'un peut donner la grâce, mais il n'y a personne pour la recevoir. Et parfois, parce qu'on ne sait pas quelle est la bonne attitude pour recevoir les grâces. Et une des meilleures attitudes, plus excellentes pour recevoir les grâces qui sont renouvelées chaque matin, c'est de savoir rendre grâce. C'est de savoir dire merci. C'est de savoir célébrer Dieu. Les actions de grâce se manifestent par la louange, par l'adoration, par les cris, par les offrandes. Ce sont différentes manières d'honorer la présence de Dieu qui est là et qui est avec nous et qui est en nous. Par le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Et donc, tu vois, nous, on a appris, Dieu nous a appris en 2017, vraiment à chaque nouveau début de cycle,
de venir nous tenir dans sa présence, arrêter, faire une pause pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Et chaque 24 heures, c'est un nouveau cycle. Chaque 7 jours, chaque semaine qui commence, chaque dimanche, nous venons au culte. Pourquoi ? D'abord dans le but de rendre gloire à Dieu. D'abord dans le but de le célébrer. D'abord dans le but de l'exalter. Dans le but de l'honorer. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Amen. Pourquoi ? C'est un nouveau cycle. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Nous sommes le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est le jour que Dieu a fait. Et nous nous tenons dans sa présence pour lui rendre la gloire, l'appréciation, l'honneur, la louange. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que le premier jour de la semaine correspond maintenant au dernier jour du mois. Donc à la fin d'un cycle et au commencement d'un cycle plus grand qu'on appelle la nouvelle année. Ah non, là, ça y est, là, quand il fallait offrir l'action de grâce, là, maintenant, on fait offrir plusieurs fois les actions. Les actions de grâce. Oui. Oui. Et celui qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Alors, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour sa présence. Dans le psaume 103, avant de vous asseoir dans quelques instants, dans le psaume 103, il y a un principe. Non, je dis, vous allez vous asseoir dans quelques instants. Donc, vous pouvez rester debout. Bon, c'est pas grave. Comme vous êtes déjà assis, restez assis. Dans le psaume, nous, de toute façon, on est condamnés à être debout. Donc, il n'y a pas de problème. On est calme, on est détendu. Hein. Dans le psaume 103, il est écrit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, mon âme, là, vous savez, la Bible est remplie de principes. La Bible, c'est un livre qui est 75% des instructions et 25% des principes. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais les instructions, Dieu ne donne pas les instructions à tout le monde. Les principes sont donnés à tout le monde. La loi de la pesanteur, c'est un principe, c'est une loi. Si tu chutes, tu sautes du sommet par exemple, de la tour Nabemba, tu descends. Que tu sois né de nouveau, que tu sois croyant ou pas croyant, que tu sois en Christ ou pas en Christ, si tu n'as pas dû le sauter, tu vas mourir. Parce que tu as violé un principe. Les principes s'appliquent à tous les hommes, croyants ou pas croyants. Quelqu'un dit Amen. Mais les instructions ne sont pas données à tout le monde. Les instructions sont données aux enfants, aux disciples. Dieu donne ses instructions à ses enfants. Quand Jésus parlait dans Marc chapitre 4, verset 11, je crois, il leur a dit... Il vous a été donné de connaître les mystères, les secrets du royaume des cieux. Mais aux autres, non. C'est en parabole que je leur parle. Mais à vous, je vais décortiquer les paraboles. Je vais vous révéler les mystères. Dieu donne les instructions à toi pour te faire gagner du temps, pour t'aider à réussir. Là où les autres ne savaient pas, toi tu sais, tu gagnes beaucoup de temps. Et ta vie est plus épanouie, elle est plus heureuse. C'est pourquoi ? Parce que tu apprends à obéir à ce qu'on appelle les instructions. Et parmi les instructions que Dieu donne aux humains, donc quand c'est une instruction, fais attention. On ne négocie pas les instructions. Elles sont données aux enfants, elles sont données aux disciples pour qu'ils les mettent en pratique. Ne prends pas une instruction et dis, il a parlé, mais je n'ai pas pu faire. Non, quand il te donne une instruction, quand il te la donne, lève-toi. Il vient de te donner la capacité de te lever. Si tu dis, lève-toi, si tu me dis, ah, je suis handicapé, non. Dans le lève-toi là, il y a la puissance pour lever tes jambes. Pourquoi ? Tout ce qu'il faut, c'est comprendre l'instruction et obéir à l'instruction. Et parmi les instructions, mon frère, à chaque cycle, surtout en début de cycle, Dieu dit, il faut rendre grâce. Et il dit, n'oublie surtout aucun des bienfaits de Dieu. La fin de l'année, c'est toujours une période mitigée pour la plupart des gens. Il y en a qui sont reconnaissants, c'est gloire à Dieu. D'autres qui sont mitigés, ils sont un peu, est-ce que je dois ? Erreur. D'autres carrément, je ne ferai rien, je suis dégoûté. Oh, c'est encore pire. C'est à ce genre de personnes. Généralement, tu vas aller de frustration en frustration. Pourquoi ? Parce que, un, tu violes les principes. Deux, tu ignores les instructions de Dieu. Il a dit, mon âme, rends grâce à Dieu. Bénis Dieu, honore Dieu, célèbre Dieu, rends gloire à Dieu. Pourquoi ? N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu sais quoi les bienfaits ? C'est-à-dire que les bienfaits, c'est ce que Dieu a fait de bon. Est-ce que tu es assis ? C'est un bienfait. Tu t'es levé ce matin, c'est un bienfait. Est-ce que ton œil voit? C'est un bienfait. Est-ce que ton oreille entend? C'est un bienfait. Est-ce que tu arrives à parler? C'est un bienfait. Ah non, mais je cherchais les autres bienfaits. Avant de chercher les autres bienfaits, tu as oublié cela. Dieu dit, n'oublie aucun des bienfaits. Beaucoup ont eu des accidents cette année. Ils sont morts. Toi, tu as peut-être pas eu d'accident. C'est un bienfait. D'autres ont eu des accidents, mais tu n'es pas mort. Bénis Dieu, c'est un bienfait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, c'est une instruction. Et en même temps, c'est un principe. Viole ce principe, ta vie sera une vie de frustration.
Mais apprends à dire merci à Dieu pour les petites choses. Ta vie sera couronnée de gloire et de magnificence. Parce qu'en faisant cela, la grâce de Dieu s'intensifie. Bon, ça, c'est des choses qu'on parlera dans les prochains jours. Et puis, on en parlera peut-être un peu ce soir avec les gagnants d'âmes qui seront là pour le temps de prière. Et là, je sens déjà que tu es en train de grincer des dents. Oui, ce soir, nous serons là avec... comme on ne peut pas, on ne pouvait pas inviter tout le monde, on ne pouvait pas faire un appel à tout le monde parce que l'espace n'est pas suffisant. Et en même temps, on ne pouvait pas aller aussi louer comme on a toujours fait. Ce n'est pas possible cette année. Il y a trop de dépenses, il y a trop d'investissements à faire. Chaque sou qu'on a, on l'investit dans le projet de déménagement que vous allez voir dans quelques instants. On va faire le résumé. Et donc, on a dû faire le choix de ne rien faire, de se retrouver là seulement le soir. Mais le Seigneur m'a dit, tu te retrouves avec les gagnants d'âme. En début d'année, en janvier 2017, nous nous sommes retrouvés ici avec ceux. On avait donné les instructions, la ligne, la direction de l'année avait été donnée. On avait dit cette année-là, il faut gagner des âmes. Cette année, il faut devenir un travailleur de Dieu. Il faut devenir un gagnant d'âmes, un véritable ambassadeur. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La parole était sortie au mois de janvier. Question, à la fin de cette année, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as pris la parole au sérieux ou tu n'as pas pris la parole au sérieux? Alors oui, je sais, il y en a qui étaient tellement occupés. Les chantalis, vous asseoir, s'il vous plaît. Il y en a qui étaient tellement occupés que quand il fallait gagner des âmes, on a dit que les gagnants d'âmes, c'est ceux qui prient pour les âmes, ceux qui sortent gagner des âmes, ceux qui donnent pour les âmes. C'est ça les gagnants d'âmes. Et quand il fallait le faire, il y en a qui étaient tellement occupés que tu étais au Radisson. À chaque fois qu'il y avait prière, tu étais au Radisson pour les déjeuners d'affaires ou les dîners d'affaires. Ok. Donc ce soir, tu vas aller au Radisson. Tu vas aller faire ton dîner au Radisson. Mais à toutes les personnes qui ont pris le temps de venir prier à midi en prière, prier pendant les 60 heures de prière, 72 heures de prière, prier pour les 24 heures de prière, à toutes ces personnes qui ont pris le temps de faire le travail de Dieu, parce que prier, c'est un travail. Dis-moi Amen. Amen. Sortir, c'est un travail. À toutes ces âmes-là, c'est à vous que Dieu dit ce soir, rendez-vous avec le roi pour passer dans la nouvelle année. On va avoir un temps de prière, on va avoir un temps d'action de grâce, un temps, etc. Quelqu'un me dit Amen. Donc, on ne peut pas l'ouvrir à tout le monde parce que tout le monde ne sera pas là. Mais je sais qu'il y en a quand même qui vont forcer le passage. Es-tu des... Là, ce n'est pas des violents, c'est des rebelles. Mais parfois, c'est bon d'être rebelle aussi, hein, faut dire. Hein, dans le royaume, parfois, ce sont les violents qui sont part du royaume. Sauf que, si tu n'as rien fait cette année, tu peux peut-être t'ajuster. Si tu viens ce soir, écoute-moi, ce n'est pas une réunion pour les gens qui veulent juste passer un 31 quelque part. Ça, ce n'est pas pour toi. Si c'est juste ton but, non. Il ne faut même pas venir, tu vas t'ennuyer. Pas pour toi. C'est pour ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui prennent les instructions au sérieux. Si c'est pour ceux qui prennent les instructions... Non, si on avait beaucoup de place, on dirait à tout le monde, venez. Même les touristes, venez. Mais j'aimerais moi que je vais quand même, juste pour frimer. Tu peux venir. Mais là, il n'y a pas le temps pour la frime, il n'y a pas le temps pour le tourisme, il y a le temps pour les travailleurs. Alors maintenant, si toi, tu n'es pas venu, qu'on avait dit de venir, même prier toute l'année là, est-ce que tu as gagné comme un dame? Est-ce que tu as réjoui le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, lui, ne bat que pour les âmes qui sont perdues et celles qui sont gagnées. Toi, est-ce que ton cœur a battu pour ça? Quand on disait prière, toi, tu n'étais pas là. On dit, je n'étais pas là. Rien. Ah, mais mon gars, mais les 31, c'est mon 31. Non, 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 non. Non, ça ne marche pas. Bon, s'il y avait la place, ça irait. Hein? Tu comprends? Non, mais comme il n'y a pas la place, bon, voilà. Si tu viens ce soir-là, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Si tu viens, ça veut dire que tu as dit dans ton cœur, Dieu, je décide moi aussi de devenir un gagnant d'âme. Si c'est ça, alors tu peux venir. On va se débrouiller. On sait qu'il n'y aura pas de place, on va se débrouiller avec ce qu'on va avoir. Quelqu'un me dit Amen. Mais c'est important, ce soir nous serons dans la présence de Dieu. Parce que ce nouveau cycle, quand nous trouver dans la présence de Dieu, en train de rendre des actions de grâce à Dieu, c'est très important. C'est très important. L'action de grâce là, c'est une des lois les plus puissantes de l'univers. Mais que les humains ne comprennent pas. Même les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et ils se comportent comme les enfants du monde. Non, ce soir Dieu va nous parler un peu. Il va nous parler un peu de ça. Puis comme toi tu ne seras pas là ce soir, ton voisin en tout cas, on va peut-être en parler dimanche prochain. Si tu pries, tu vas peut-être venir de revenir encore dessus dimanche prochain. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous sommes reconnaissants à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Maintenant, nous te prions. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour la gloire d'un homme, jamais. Mais nous sommes là pour te rendre gloire, honneur et louange. Tu nous as fait déplacer ici, Père, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Vraiment, quand nous regardons à tout ce que tu as fait cette année, là, même le fait d'être debout, c'est déjà une grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous n'allons pas attendre de voir les grandes choses. Nous voulons te dire merci pour les petites choses qui, en réalité, sont les grandes choses, mais que nous méprisons. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour chacune de nos vies, chaque âme ici présente dans ce lieu.
Dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons. Quelqu'un me dit amen. Ce matin, nous ne voulons pas être longs. Le premier jour de l'année, le 31 en général. Bon, là, c'est un format un peu différent. C'est la première fois qu'on se retrouve comme ça, le 31, serré à faire trois cultes. Mais, gloire à Dieu, c'est aussi la dernière fois, je crois, que nous allons nous retrouver dans ce petit format. C'est la dernière année où nous nous retrouvons dans cette pièce, dans cet auditorium. L'année prochaine, le 31 prochain, nous serons dans un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus solennel, beaucoup plus spacieux. Par la grâce de Dieu, quelqu'un me dit amen. Donc, on souffre encore un peu, on est encore un peu à l'étroit, mais ce n'est que pour quelques temps. Amen. Donc aujourd'hui, à la fin d'année, comme ça, le dernier jour de l'année, c'est très important de prendre, de faire ce qu'on appelle la rétrospective, faire un peu le bilan, faire un peu le point. Voilà pourquoi quand je ne parle pas dans le but de condamner, je le parle dans le but d'éveiller ta conscience, de te réveiller un peu, parce que beaucoup, certains sont endormis. Et n'oublie pas une chose, chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Chaque année qui passe, bonana, c'est bien, mais tu es en train, l'horloge est en train d'avancer. Le temps vers ton départ approche. Tout le monde, qu'on soit à un an d'âge, toi aussi tu viens de passer bientôt à 2 ans. Ton temps aussi de départ va quitter. Tout le monde va quitter la terre. Donc il est important de savoir comment nous conduire. Voilà pourquoi Moïse a dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Que Dieu te fasse la grâce de bien compter tes jours de 2018. Afin que tu appliques ton cœur à la sagesse. À la sagesse. Nous aurons un atelier, je crois, le 20, je ne sais pas si c'est le 20 janvier, avec les jeunes. Que les jeunes appliquent leur cœur à la sagesse. Très important. Trop de jeunes s'égarent et perdent leur temps. Il faut être sage. La sagesse, elle est indispensable. Vous allez apprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Donc, nous voulons faire le bilan aujourd'hui. Ce n'est pas un culte comme un autre. Ce n'est pas un message en tant que tel. Non, mais c'est une direction. C'est ce que Dieu nous demande de faire cette année. La direction que Dieu va nous donner cette année. On ne monte pas dans un bus quand on ne sait pas où il va. On ne monte pas dans un avion quand on ne sait pas où il va. On ne monte pas dans un train quand on ne sait pas où il va. Tu ne peux pas venir ici sans savoir où tu vas. Ici, on va quelque part. OK? Ah non, on va quelque part. On va en parler dans quelques instants. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà, c'est très important. Nous avons notre appel. Nous ne sommes pas une église extraordinaire. Nous ne sommes pas des gens... Enfin, si, nous sommes des gens extraordinaires. Nous sommes conscients de ça. Parce que Christ, quand Christ vient habiter en toi, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Non. Quand Christ vient habiter en toi, tu n'es plus quelqu'un de normal. Mais je le dis aussi en toute humilité pour dire que nous ne sommes pas... À ICC, Brazzaville, on n'a pas de prétention à être les meilleurs. Non, ça, c'est des histoires, c'est des bêtises. Ça, là. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous ne sommes que la grâce de Dieu manifestée, c'est tout. Tout ce que nous le faisons par la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons par la grâce de Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, tout ce que vous voyez là n'existerait pas du tout. N'eût été la grâce de Dieu, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Vous savez, apprends à dire merci pour tous les bienfaits que Dieu t'a reçus. Tu vois, peut-être que tu n'as pas eu tout ce que tu voulais avoir, mais tu as encore la vie, tu as encore la respiration. Dès l'instant où Dieu donne encore à quelqu'un le souffle, ça veut dire que tout n'est pas fini. Ah, mais je suis malade. Non, dès l'instant où tu te réveilles le matin, tu as encore le souffle. Même si tu es paralysé, mais si le souffle de vie est encore en toi, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas payé pour ça, rends grâce à Dieu. Avant de dire, j'en ai marre. Non, ne dis pas j'en ai marre. Dis Seigneur, merci, merci. Je n'ai pas tout, mais j'ai au moins le peu que j'ai, je suis reconnaissant. C'est comme ça que Dieu multiplie le peu que tu as. C'est une instruction et une loi très importante, mais qui est très méconnue de la part des croyants. Or, c'est à nous qu'a été donnée la grâce de comprendre les secrets. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils vont à l'église, mais ils ne comprennent toujours pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous enseigne petit à petit. Quelqu'un me dit amen. Donc, nous voulons faire un peu le point cette année. Et nous allons parler un peu de la direction dans laquelle Dieu nous envoie, que Dieu nous donne cette année. Quelles sont les directives générales? On appelle la politique générale du gouvernement des cieux, si vous voulez. Quelle est la directive générale que Dieu nous donne cette année? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Quels sont les objectifs que Dieu nous donne pour l'année 2018? C'est important d'avoir des objectifs. Quelqu'un me dit amen. Quand tu as quitté la maison, tu ne t'es pas retrouvé par hasard. Tu as quitté la maison pour venir ici. Donc, tu avais en tête un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Et puis après, il y a eu des étapes. De la même manière, nous sommes depuis 5 ans sur une destination, sur une vision que Dieu nous a donnée. Et nous y allons pas à pas, petit à petit, nous avançons. Depuis 5 ans, depuis 2012, quand vous rentrez là, dans le hall, là, il y a écrit « Vision 2017 ». Ça avait été écrit en 2012 exactement. Dieu nous avait dit en 2012, nous avons travaillé avec l'Esprit de Dieu. Et quand je regarde la vision qui avait été écrite en 2012, je regarde, je dis « Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai. Nous avons aussi appris beaucoup de choses, c'est vrai.
Et quand on compare la balance, on a gagné beaucoup de temps. Il y en a qui ont fait beaucoup d'erreurs, qui ne se sont jamais relevés. Nous avons fait des erreurs, mais nous a fait la grâce de nous redresser, de nous corriger, de nous instruire. Et franchement, quand je pense à ma vie, je suis extrêmement reconnaissant. Vraiment, je suis reconnaissant parce que je dis, waouh, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait jamais fait hier. On va voir la rétrospective, c'est pas moi, c'est Dieu. On ne peut pas dire que le pasteur a fait, non, c'est Dieu qui a fait. Il y a des choses que toi tu peux dire, j'ai fait, mais il y a des choses que tu ne peux pas dire, j'ai fait. C'est juste incroyable, incroyable de voir ce que Dieu est en train de faire. Voilà, et il faut être reconnaissant. Quelqu'un me dit amen. Donc la première chose que je voudrais faire ce matin, c'est midi, bon maintenant c'est midi, c'est vous montrer, depuis un an, tous les dimanches, nous faisons régulièrement des appels, nous faisons libéralement, nous invitons les gens en toute libéralité à contribuer pour ce qu'on appelle les projets, les piliers du royaume. Les piliers du royaume qui est le projet que nous avons entamé en vérité il y a 2 ans, mais c'était une vision depuis 2012. Mon ami, dans la vie, rêve grand. En 2012, tu ne vas pas faire une église pour 2012. Non, faire une église pour 2017. Et quand tu vas entrer en 2017, nouveau cycle, tu feras maintenant des projets pour 2023 à 2030. Quelqu'un dit amen. Ça s'appelle voir grand, commencer aujourd'hui. Commencer petit, mais voir très grand. Dieu est un Dieu qui voit très grand, qui voit très loin. Le plus grand visionnaire, c'est Dieu lui-même. Et les humains doivent penser comme Dieu. Penser à demain, préparer demain, aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Donc tous les dimanches, vous êtes là, vous écoutez, le projet, le pilier du royaume, etc. Il dit, lui encore, c'est quoi? Il y en a qui donnent, gloire à Dieu. Il y en a qui ont donné, il y en a qui donnent vraiment. Il y en a qui soutiennent vraiment cette initiative. Et puis d'autres qui s'en moquent. Qu'importe. Le plus important, c'est que quelqu'un ait donné. Et quand on donne avec son cœur joyeux. On donne avec un cœur disposé et heureux. Il ne faut pas dire, ah, on a encore dit les offrandes. Non. On a fait un appel d'offrandes. Dieu, on a mis la pression sur personne. Les gens se sont mobilisés, les gens ont donné de partout. Il y a même des gens qui appellent de la France, des Antilles, de la Chine, de Haïti, de partout, hein, de l'Afrique, de l'Ouest, pour dire, nous voulons contribuer à votre projet. Mais pourquoi? Pasteur, on veut contribuer au projet. Donnez-nous un truc de Western Union. Donnez-nous un numéro de compte. On envoie de l'argent. Les gens ont envoyé. Et petit à petit, Dieu nous conduit. Petit à petit, une brique à la fois, ce projet est en train de voir le jour. C'est un grand rêve, hein? Très grand rêve. Petit à petit, projet voit le jour. Quelqu'un me dit amen. Donc, je voudrais juste vous montrer, première partie, le projet. Où est-ce qu'on en est avec les piliers du royaume? Est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir où est-ce qu'on en est avec ce projet de construction? Oui, parce que Dieu nous a dit, j'ai un peuple nombreux. Allez gagner le monde, allez gagner les âmes, allez gagner le Congo. Mais il faut des infrastructures. Il faut une infrastructure. On va les mettre où? Dans la rue? Oui, d'accord, ça c'est au début. Mais à un moment donné, il faut travailler. On ne peut pas laisser les gens dans la rue, tout le temps dans la rue. Non, je suis désolé. Un vrai père de famille ne va pas toujours laisser les enfants. Nangana, allez, dehors. Non. À un moment donné, si tu as fait 50 enfants, tu vas te débrouiller pour avoir une maison de 50 chambres, au moins 25 chambres. Les faire d'amis deux par deux. Un père responsable doit penser à mettre ses enfants dans les conditions responsables, dans les conforts minimum. Est-ce que je mens? Est-ce que je dis la vérité? Quelqu'un dit amen, c'est le bon sens. Dieu veut que ses enfants soient à l'aise. Tu as compris, mon frère? Voilà. Dieu n'est pas contre ça. Dieu même, au contraire, heureux. Il est le propriétaire du ciel et de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est la foi. On n'a pas la foi pour croire que tu peux faire de grandes choses. Donc, du coup, il y a des choses qui ne se font pas. Frère, j'ai la foi. Ah non, moi j'ai la foi. Oh là là, je crois à l'impossible. Chez moi, le mot impossible n'existe pas. Je crois que Dieu peut faire tout au-delà de ce que je pense ou demande par sa puissance qui agit en moi. Donc Régis, s'il vous plaît, regardons un peu un aperçu de où est-ce qu'on en est par rapport aux travaux aujourd'hui de la construction de notre prochain temple dans lequel nous allons déménager ici. Comprend plusieurs parties. L'auditorium principal, l'auditorium secondaire, 500 places, des places de parking, un bâtiment annexe, et un très grand projet dans lequel les essais de la vie sont engagés. Tu vois, l'auditorium principal de plus de 2500 places assises. Aujourd'hui, l'auditorium secondaire est terminé avec une mezzanine. L'auditorium secondaire aujourd'hui, capacité de 500 places. Déjà pratiquement terminé, juste quelques nous aurons achevé tous les travaux, voilà à quoi ils ressortent. Et ensuite, nous sommes attaqués au parking pour faire en sorte que les gens qui viennent en voiture puissent garder leur voiture quelque part. Ce n'était pas volontaire, ce n'était pas ça que nous voulions, mais ICC Brazzaville s'est engagé dans la construction du plus grand parking de tout le Congo. Vraiment, cette histoire-là, on
va vous critiquer à cause de ça là. Vous avez fait des parkings. Le casino est petit à côté de ce que nous on a fait. On a fait un très grand parking par la grâce de Dieu. Le but c'était pas de faire un grand parking, c'est de mettre les gens dans les bonnes conditions, d'être à l'aise. Vous voyez, c'était un très grand projet, très très grand projet. Une grosse structure métallique, très lourde structure métallique. Ce n'est pas quelques cases ou quelques bois de tiges là, quelques tiges en bois, même en fait, c'était un grand projet. Maintenant, tu as commencé à mettre des miniatures. Ce n'est pas nous maintenant, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, l'œuvre de Dieu. Voilà à quoi va ressembler. Voilà à quoi va ressembler le bâtiment. Une mezzanine très large, plus de 900 places, je sais pas, 900 000 places, 800 places, je ne sais pas trop. Une très grande mezzanine. Voilà comment nous sommes le bâtiment aujourd'hui. Ils ont commencé à le couvrir. Et à côté de ce bâtiment, il y a d'autres bâtiments qui sont en train de construire, notamment une coupe de prière. Ah mon frère, cette coupe de prière, elle est stratégique. Elle est très importante. C'est par là qu'on mitraille, c'est par là qu'on est en train de. C'est par là que le pays est préservé par la prière, l'intercession. Il est important de mettre les autorités dans de bonnes conditions. À côté de cela, il y a un autre bâtiment qu'on appelle le bâtiment administratif qui va contenir un ensemble de pièces, un ensemble. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire là-bas. Par la grâce de Dieu, l'intégration, les accueils, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Une grande salle de réunion. À côté de ça, il y a un autre bâtiment. Voilà à quoi va ressembler. On l'avait déjà montré, je vous le montre encore parce qu'on est en train de tendre vers la fin. Ici, il y a 2 mois, peut-être 6 mois environ, le projet sera totalement livré. Et voilà, le constructeur aura terminé. Vraiment un beau projet, un grand projet. Et celui qui le fait, c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. C'est Dieu lui-même qui fait son projet. Quand on pense que la maison de l'église va permettre d'avoir 800 personnes. Waouh, quelqu'un me dit waouh. Voilà, il faut apprendre à apprécier ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est la tour de prière. La tour de prière. Tour de prière. Tu vas aller prier, tu vas aller jeûner. Là-bas, il y a beaucoup de pièces. Ce qui veut faire des retraites. Non, franchement, c'est un beau projet. Pour ceux qui veulent faire des retraites personnelles, des retraites en groupe, des retraites de ministère. Parce que la prière doit accompagner, la prière doit soutenir. Et ça, c'est le bâtiment administratif. Est-ce que tu es en train d'apprécier ce que Dieu fait? Est-ce que tu es en train d'apprécier la grâce de Dieu? Voilà. Et à côté de cela, il y a le bâtiment. Un autre bâtiment qu'on appelle Impact Junior. Un bâtiment de salle de formation qui va avoir le jour bientôt. Qui va commencer bientôt. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Et nous, nous voulons prendre le temps d'acclamer Dieu. Acclamer, c'est une manière de dire à Dieu que nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a commencé. Lui, au moins, il achève toujours ce qu'il a commencé. Donnons-lui gloire. Il est digne de recevoir la gloire. C'est lui qui fait ces choses. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui bâtit. Il a dit qu'il a un peuple nombreux. Et il nous a dit, construisez ma maison. Construisez ma maison afin que mon peuple s'y retrouve. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. C'est vraiment Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est vraiment Dieu qui fait ces choses. En regardant, je pense que c'est le mois de février. C'est Dieu voulant, nous allons peut-être organiser une visite sur le site. Vous allez voir à quel point c'est impressionnant de voir, oui, peut-être visite sur le site pour toucher de la réalité ce que va devenir notre prochaine lieu de culte. Vraiment, c'est un... Vous voyez, notre objectif, en réalité, c'est d'occuper tout le quartier. Ah, vous ne me croyez pas? Allez au Ghana. Allez au Ghana. Allez au Nigeria. Allez aux États-Unis. Donc, non pas aux États-Unis, allez au Ghana, allez au Nigeria, allez au Kenya, allez en Afrique du Sud. Vous allez voir comment les églises, elles imposent le respect. Elles s'étendent partout. Elles font des activités. Même la communauté, tout le monde est obligé de reconnaître, les autorités locales doivent reconnaître que ceux-là, il faut compter avec eux. Parce qu'ils sont incontournables. Et c'est ce qu'on dira de nous bientôt. Hein? Bientôt, très bientôt. Très bientôt. Nous n'avons aucune prétention. Tout ce que nous voulons faire, c'est plaire à Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est tout pour le royaume. Rien que pour le royaume. Vous voyez pourquoi on n'a pas pu faire un 31 à l'extérieur? Parce que chaque sou qui est dépensé est très important. Si on a 10 000, si on a 1 million, si on a 10 millions, il y a tellement de dépenses, on est tellement serré que tout ce qu'il faut mettre, je ne pouvais pas me permettre de mettre 5-10 millions pour faire le 31. Non, on a dit non, cette fois-ci, il n'y a pas question. Les douanes coûtent cher, tout coûte cher, faire venir, ça, tout est cher. Bon.
Donc Dieu aussi nous demande la sagesse dans ce qu'on est en train de faire. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Amen. Voilà. Donc voilà pourquoi ne nous blâme pas. Si tu t'es gagné en dame. Voilà. Et donc d'ici quelques mois, je ne donne pas exactement la date, mais je sais que d'ici le mois de juin, par la grâce de Dieu, nous allons, le bâtiment sera totalement, enfin l'auditorium principal sera livré. On n'attendra pas que tout soit parfait pour rentrer là-bas. On va rentrer en tout cas entre le mois de juin puis l'été, enfin l'été des vacances. Certainement qu'on va commencer nos cultes là-bas par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc là-bas, on aura largement de place pour faire les salons. À l'époque, il fut un temps où ici, on avait la place. Hein. En 2012, il y a 5 ans, on avait la place. On n'était pas nombreux. C'est arrêté peut-être là, vous êtes là, au milieu là. Donc aujourd'hui, ça devient compliqué. On a besoin de faire 3 cultes. Pourquoi on fait 3 cultes? Parce que Dieu est un peuple nombreux. Parce que Dieu veut sauver des vies. Parce que Dieu veut gagner des âmes. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Donc au-delà de ce bâtiment qui est fait et de tout ce qui va se faire, etc. Vous voyez pourquoi tout ce que vous donnez ne rentre pas dans les poches du pasteur? Non, pas du tout. Même moi, là, ce que je vais là, ça rentre là-bas. Donc toi, ça rentre là-bas, moi, ça rentre là-bas. Tout pour le royaume, rien que pour le royaume. Tout pour le... Oh! Ta vie, ma vie, en Jésus-Christ, tout pour le royaume de Dieu, rien que pour le royaume de Dieu. Ou encore, tout pour Jésus, rien que pour Jésus. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. C'est cela ta vie. C'est cela ta vie. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Maintenant, nous sommes le 31 décembre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pouvons-nous revoir un peu un aperçu de ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Il faut apprécier chaque chose que Dieu a fait. On ne peut pas dire tout ce que Dieu a fait. Il nous a inspiré des programmes de prière qu'on n'avait jamais connus dans cette église. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a appris, il nous apprend à prier. De la même manière qu'on apprend à parler français, qu'on apprend à parler lingala, monokutuba, tout ce que tu veux, anglais, chinois, il faut apprendre à prier parce que c'est le langage du ciel, c'est très important. Il nous a appris à prier, il nous a appris à nous muscler, il nous a appris à progresser dans la prière. C'est-à-dire qu'il a commencé, il a décidé de faire de nous des hommes et des femmes lourds, consistants, forts. Et ça vient que par la vie de prière. Nous allons continuer cela en 2018. Mais béni soit Dieu, vraiment béni soit Dieu, de ce qu'il nous a fait faire des choses qu'on n'avait jamais fait. Oh, qui est reconnaissant ici? Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Pour tout ce qu'il a fait, nous sommes vraiment reconnaissants. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il y a des choses que le pasteur voit, le pasteur est dépassé. Je vois les trucs de néon ensemble, je dis, mais ça c'est quelle créativité, quelle grâce, quelle... C'est pas le pasteur, c'est Dieu qui travaille à travers tout le monde. Quelqu'un me dit, amen. Ouais, une église, c'est pas le pasteur, c'est un ensemble de frères, de sœurs, de collaborateurs. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. L'église, c'est pas le bâtiment, l'église, ce sont les individus. Et quand on parle d'individu, il n'y a pas que ta tête. Quand on t'appelle, on appelle, c'est ton nom. Ta tête se déplace avec le reste du corps, donc c'est pas que toi seul. Quelqu'un me dit, amen. Donc ce n'est pas le pasteur qu'on met en avant, c'est le corps qu'on met en avant. C'est le corps, l'ensemble du corps, les membres du corps. C'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chaque personne. Chaque personne impliquée dans les ministères, chaque visiteur, chaque invité, chaque âme gagnée. Je bénis Dieu pour vos vies. Quelqu'un me dit un bon amen. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu fait par sa seule grâce. Ce n'est pas nous, c'est lui qui le fait. Maintenant, je voudrais vous donner pendant quelques 10 minutes. Oh, miséricorde, miséricorde, miséricorde. On va avancer. Bon, j'avais déjà dit que ça allait être compliqué aujourd'hui parce qu'on allait avoir des problèmes de temps. Mais permettez qu'on prenne un peu le temps, qu'on déborde un peu parce que c'est le 31. On va déborder. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Si tu es trop pressé, vraiment, mon frère, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est ensemble. Hein. Faut être calme. Hein. Si tu perds le sourire aussi, ce n'est pas grave, hein, mais on est ensemble. Il y a un cœur qui est en train de dire, mais moi, je vais quand même être là le soir. Si tu es là le soir, ça veut dire que tu as décidé d'être un gagneur d'âme. Si tu n'as pas décidé ça, ne viens pas le soir. Même Dieu là va te bloquer. Dieu va te bloquer. J'ai déjà prié pour ça, donc c'est calme. Je suis cool. Celui qui n'a même pas prié là. Il y en a qui, vous me regardez avec vos têtes là. Tous ceux qui ont la tête comme ça là. On vous se connaît là. Regardez. Vas-y. Non, on comprend, on est ensemble, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, Régis, donnez-moi la rétrospective maintenant de qu'est-ce que Dieu a fait en quelques mots cette année 2017. Qu'est-ce que Dieu a fait? Regardons un peu ce que Dieu a fait par sa grâce ici. Construire des générations qui influencent positivement leur environnement, telle est la vision de l'Église Impact Centre Chrétien. De nombreuses initiatives ont été prises en 2017 en vue de poursuivre cette vision. Impact Centre Chrétien Brazzaville, c'est aujourd'hui 3 cultes réunissant plus de 2600 personnes chaque dimanche. Cette année,
nous avons été enseignés sur comment vivre la réalité de Christ et étendre le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu peut compter sur toi cette année? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Cette année 2017, nous sortirons chaque samedi encore. Samedi après samedi, nous aurons gagné les âmes. Il faut qu'on ait une armée de gagnants d'âmes. Il faut qu'on ait 1000, 2000, 3000 personnes qui gagnent les âmes, qui vont dans les rues de Brazzaville gagner les âmes. Et qui il faut aller leur parler de Jésus. Il faut aller leur témoigner Christ. Ceux qui écoutent et qui acceptent seront sauvés. Ceux qui n'écoutent pas, qui n'acceptent pas, ils iront là où ils doivent aller. Le thème de l'année a été abordé en deux séries d'enseignements. Ambassadeur du royaume et la puissance de la croix de Christ. Fort de ces enseignements, conscients de leur statut d'ambassadeur de Christ et de l'importance de gagner des âmes, de nombreux gagneurs d'âmes ont parcouru les artères de Brazzaville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est près de 10 000 personnes qui ont donné leur vie à Christ au cours de ces nombreuses sorties. En effet, nous avons réalisé 17 sorties d'évangélisation par groupe où 3276 personnes ont donné leur vie à Jésus. Deux sorties à la maison d'arrêt de Brazzaville, au cours de laquelle 513 personnes ont fait la prière du salut. Une sortie à l'hôpital de Makelekele, où 76 personnes ont donné leur vie à Christ. Une sortie à la maison de retraite de Mfilou, au cours de laquelle 36 personnes ont accepté Jésus dans leur cœur. Deux sorties d'évangélisation de masse où 2536 personnes ont donné leur vie à Christ. Toujours dans le but d'obéir à l'ordonnance du Seigneur, de faire de toutes les nations des disciples enracinés dans la parole de Dieu et qui impactent positivement leur environnement, plusieurs cérémonies de baptême ont été organisées avec 500 personnes ayant prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Parmi toutes ces activités organisées dans le cadre de l'évangélisation, il sied de noter l'organisation de deux concerts, dont un au stade Ornano et l'autre sur l'esplanade de la télévision nationale en Combo. Ces temps forts de louange et d'évangélisation ont permis de gagner 325 âmes à Christ. Des missions d'évangélisation ont été également réalisées hors de Brazzaville. En effet, la population carcérale de Ouesso dans le département de la Sanga, a été visité et plusieurs détenus ont donné leur vie à Christ. Dans le département de la Likwala, plus précisément à Betou, l'église ICC s'est implantée pour répondre à la vision de l'année 2017, étendre le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Rappelons que, conscient de l'importance d'être équipé pour aller annoncer l'évangile de Christ, l'église ICC a organisé un séminaire des gagneurs d'âmes en prélude à toutes ses activités d'évangélisation. À l'issue de ce séminaire, plus de 600 personnes se sont inscrites comme gagneurs d'âmes. Le Congo a été béni cette année par la seconde édition du Tour pour l'amour du Congo en sigle Tour PAC. Les pasteurs Hortense et Mamadou Karombiri ont honoré de leur présence cette rencontre centrée sur l'importance de gagner des âmes à Christ. Cette édition s'est articulée autour de deux temps forts, notamment des conférences pour les gagneurs d'âmes en matinée et des campagnes d'évangélisation les soirées. Autre événement marquant pendant cette conférence Tour PAC, la reconnaissance et la confirmation publique de l'appel apostolique du pasteur Yves Castanou par le pasteur Mamadou Karombiri. La parole que Dieu m'a dit de te dire, il dit « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Inspiré par le Saint-Esprit, la plateforme Midi en prière a été lancée en février 2017 pour prier chaque jour en faveur des âmes et de la nation, car la prière est un élément fondamental pour la réalisation des plans de Dieu dans la vie des hommes. Toujours sur la conduite du Saint-Esprit,
de nombreux programmes de prière ont été organisés via les concepts 72 heures, « 24 heures » « 6 heures » « 24 heures » et « 60 heures de prière non-stop ». L'école de la prière par le Saint-Esprit et celle de la foi ont été d'autres temps forts d'édification et d'affermissement qui ont conduit l'Église dans une autre dimension de prière. Courant 2017, l'Église locale de Brazzaville a reçu deux fois le pasteur Yvon Castanou, pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, qui nous a apporté deux messages clés sur la véritable adoration et la soif de Dieu. Pour favoriser et encourager la communion fraternelle, une rencontre a été organisée entre les serviteurs travaillant activement pour le royaume, en sigle STAR, avec des temps d'échange et de partage. Cette rencontre a permis la mise en place des groupes d'évangélisation et de suivi, en sigle GES. Une initiative qui a pour objectif de faciliter l'intégration, le suivi et l'affermissement des âmes au sein de l'Église. 2017, c'est aussi Noël ensemble au Palais des Congrès avec nos champions qui ont voulu célébrer Noël autrement en compagnie des enfants de différents orphelinats. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Nos cultes et autres moments de prière sont diffusés sur différentes plateformes sociales. En effet, 6111 internautes sont abonnés à ce jour à notre chaîne YouTube ICC TV Brazzaville. Notre page Facebook, sur laquelle nous diffusons chaque dimanche notre culte en direct, compte 21 597 fans. Notre site internet www.iccbrazzaville.cg et notre chaîne Radio Sion seront très prochainement lancées et permettront d'informer les internautes ainsi que les auditeurs sur la vie de l'Église et de mettre à leur disposition nos enseignements. Une application mobile sera aussi lancée très prochainement. L'église locale de Brazzaville est également sur Instagram. Rappelons que l'église locale de Brazzaville produit des émissions télé, notamment pour une vie transformée, en sigle PVT, qui est un extrait des enseignements dispensés à l'église et diffusé sur les chaînes télévisées locales et internationales. Rendons grâce à Dieu pour cette magnifique année 2017. Grâce à Dieu. De tout ce qui a été fait, de tout ce qui est en train d'être fait, les grandes choses comme les petites choses. Je voudrais que tu prennes quelques instants, juste quelques secondes. Lève tes mains pendant quelques secondes. Lève tes mains pendant quelques secondes. Pourquoi lever les mains? Les mains sont extrêmement importantes. Pour rendre grâce à Dieu en général, il faut prendre le temps de lever les mains. Lever les mains, c'est un acte non pas naturel, mais spirituel. C'est comme quand on se prosterne. Ça a l'air naturel, non, c'est un acte qui est spirituel. Lever les mains, c'est un acte spirituel. Pour rendre gloire, pour célébrer. Père, nous voulons te dire merci. Nous apprécions tout ce que tu as commencé à faire. Nous apprécions tout ce que tu es. Nous apprécions tout ce que tu fais.
Ce n'est pas nous qui faisons ces œuvres, c'est toi qui fais tes œuvres, Père, par ton esprit. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Prends le temps de prendre, de dire merci à Dieu pour tout ce que tu as vu, pour les âmes qui ont été sauvées. Plus de 11 000 âmes ont été sauvées cette année 2017 par la seule grâce de Dieu. Plus de 500 personnes ont été baptisées. Tellement de gens ont été formés. Tellement de vies sont en train d'être challengées. Tout cela au travers de cette plateforme dans laquelle toi et moi nous faisons partie. C'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. Et nous, nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons, nous t'apprécions. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour les œuvres que tu fais. Ces œuvres sont magnifiques et sont merveilleuses. Et mon âme, nos âmes le reconnaissent. Nous n'oublions pas les bienfaits, les bontés de Dieu. Non, nous bénissons Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Pas sur nous la gloire, jamais. Mais sur Jésus-Christ la gloire. À Jésus-Christ l'honneur et la louange. Merci Père. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons rendu grâce. Quelqu'un acclame le nom du Dieu qui fait ces choses. Le nom de notre Seigneur Jésus. C'est son œuvre qui bâtit son Église. Nous sommes reconnaissants. Vraiment reconnaissants. Quelqu'un me dit Amen. Ça ne fait que 5 ans, hein, cette aventure-là, cette œuvre-là que Dieu a commencé. En 5 ans, nous avons fait des erreurs, mais il nous a tellement fait du bien, tellement enseigné. Et il nous emmène niveau après niveau, gloire en gloire, progrès après progrès. Et là, nous avons compris que nous tous là, on doit matisser à niveau. Photo matisse à niveau. Ah oui, le niveau de foi, niveau de foi. Le problème que tu as, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de quelqu'un qui t'en veut, qui est trop fort pour toi. Non, ton problème, c'est un niveau, c'est un problème de foi. Parce que si tu as la foi, alors tout est possible. Lorsqu'il n'y a pas le résultat que tu attends, c'est parce que le niveau de foi n'est pas suffisant pour déplacer une montagne. Il faut seulement matisser à niveau. Mon frère, en 2018, là, par la grâce de Dieu, là, il faut qu'on matisse à niveau. Oh, quelqu'un me dit Amen. Tu vas augmenter le niveau. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Ah non, parce que quand on est un ambassadeur envoyé en mission, on est appelé à faire des exploits avec Dieu. Et pour ça, le niveau, au début, on est un peu faible, mais petit à petit, toujours matisse à niveau. Hein? Matisse à niveau, Nayo. Loba Amen ici là. Loba Amen est bien fort ici là. Oh. Et puis, j'ai une autre stratégie de la part de Dieu. Cette année 2018 qui va commencer, papa. Oumela. Cette année, mon frère, demeure seulement. Et ils sont venus dire, les Shadrach, les Meshach, Abednego et Daniel, on dit roi Nebuchadnezzar. Lou, mais là, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Il disait, roi, vis éternellement. C'est-à-dire, roi, domine pour toi. Frère, ou Melanayon. Ça veut dire, règne, vis seulement. Vis, demeure, oh, demeure. Ah, dis-moi Amen. Oh. Dis Amen pour toi-même. Oh, comment ça? En quelques instants, en quelques minutes, je voudrais prendre le temps, maintenant qu'on a fait la rétrospective, de vous dire où est-ce que nous allons. À quoi Dieu nous appelle? En 2017, Dieu vous asseoir. En 2017, Dieu nous a dit, Dieu nous a appelé réellement et nous sommes reconnaissants à être une église missionnaire. ICC, Brazzaville et UCC de manière générale n'avaient jamais été une église de mission, une église d'expansion. Mais gloire à Dieu, il nous a vraiment transformés. Il est en train de nous transformer, d'aller de gloire en gloire, de nous étendre par la grâce de Dieu. En 2017, c'était l'année, vive la réalité de Christ et étendre le royaume des cieux par le Saint-Esprit. Cette année, nous continuons la même chose, nous disons juste là différemment. Cette année 2018, c'est l'année de la manifestation de Christ et de l'expansion encore du royaume des cieux. L'année de la manifestation de Christ. Christ doit être visible, manifesté de plus en plus au travers de toi, au travers de moi. Et Christ doit étendre le royaume, il doit étendre son règne. Et il va le faire à travers de toi, à travers de moi, à travers de nos enfants, de toute âme d'impact centre chrétien qui se reconnaît comme faisant partie de cette famille spirituelle. La grâce qui est sur nous viendra sur toi dans le nom de Jésus parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un me dit Amen. Et parmi les projets d'extension, nous allons commencer en 2018 par la grâce de Dieu à cause du fait qu'il y a beaucoup d'âmes là-bas qui ont commencé à dire mais nous on veut l'église maintenant, donc il faut créer ICC Ouesso. ICC dans l'école à Bétou a déjà été créé cette année 2017 par la grâce de Dieu par des frères comme toi et moi qui sont partis avec le mandat d'ambassadeur. On va aller à Mouyondi, hein, maman la mère. Mouyondi nous attend, non, c'est pas ça, non? Depuis longtemps, elle me dit, mais pasteur, Mouyondi attend ICC. Je dis, maman, on arrive. On arrive là-bas. Quelqu'un me dit Amen.
Et j'ai oublié de vous montrer les images d'une autre famille. C'est ce qui est loin du Congo-Brazzaville, mais où Dieu est en train de former des champions, des hommes et des femmes qui sont en train d'être préparés à l'ombre, afin que quand ils vont revenir au pays, ils impactent positivement eux aussi leur environnement. Et c'est ICC Cuba, la Havane. Ils sont à Cuba. Ils ont eu leur baptême. Ils ont eu la session de baptême hier. Ça, c'est hier, hier seulement. Oh, mais tu peux rendre grâce à Dieu pour eux. Ce sont nos frères. Ce sont des Congolais, des Africains. Ils sont en formation à Cuba. Beaucoup en sont là-bas et ils sont en train de transformer. Il y a peut-être même ton frère qui est dans les photos. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Tu vois, ces jeunes-là, ils sont en formation en médecine, en pharmacie, dans les différents domaines, etc. Et ce sont des Congolais qui sont en train de former. Dieu nous a dit, attrapez-les là-bas pendant qu'ils sont encore à la prenez-les pendant qu'ils sont encore jeunes. Parce que quand Satan attaque, il attaque les gens quand ils sont encore en bas. Nous aussi, quand on forme, on faut les former en bas. Demain, ils reviendront au pays. Dans quelques années, ils reviendront au pays. Ils seront comme toi et moi, déjà transformés et prêts à servir leur nation, servir leur pays avec la mentalité du royaume des cieux. Et tous les mois, nous les soutenons pour ce qu'ils sont en train de faire. Nous les soutenons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ce que Dieu est en train de faire là-bas? Oh. On accuse. On dit toujours que le système de santé est perdu. Le système de santé est pourri. Les gens, les médecins, les infirmiers, les gens sont immoraux. Et tout le monde attaque, tout le monde parle. Mais peu de gens sont en train de régler le problème à la racine. Si on veut régler le problème du système de santé ou tout le système, ce n'est pas les hommes qu'il faut changer. C'est les cœurs des hommes qu'il faut changer. Si on change les hommes, mais ils n'ont pas le cœur changé, ça ne change rien. C'est les changements de cœur qui produisent le changement d'homme. Quelqu'un me dit amen. Donc demain, il y aura des médecins, il y aura des chirurgiens, il y aura des dentistes, des pharmaciens, des toutes sortes d'experts qui viendront au pays, mais ils seront des justes, des citoyens du royaume des cieux. Des ambassadeurs, on leur a appris à être des ambassadeurs déjà là-bas. Quelqu'un me dit un bon amen. Tout est question de vision. Ne jamais attendre les dernières minutes, mais commencer les choses en avant et puis oser voir grand. Et compter sur un Dieu qui est le Dieu de la grandeur. Dieu ne fait pas les choses petites, fait toujours des grandes choses. Mais il commence toujours petit. Quelqu'un me dit amen. En 2017, Dieu a fait de nous une église missionnaire. Vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants. Nos vies commencent à être utiles. Nos vies sont en train de devenir de plus en plus utiles. Tu ne penses plus qu'à toi, mais tu penses maintenant aux autres. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. En 2017, donc nous sommes, en 2018 plutôt, nous sommes dans l'année de la manifestation de Christ. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 1, il dit parole de l'Éternel, ou encore prophétie d'Isaïe, fils d'Amoth sur Juda et sur Jérusalem. Il m'a dit prophétie, parole de l'Éternel sur ICC de Brazzaville. Il arrivera que dans la suite des temps, Dieu m'a dit, ça va arriver. Quand j'ai entendu, j'ai dit, Seigneur, waouh, ça va arriver. Ne te fie pas à ce qu'on est aujourd'hui. Non, c'est ce que Dieu a dit. Ça va arriver dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Là, il est en train de dire déjà ce qu'il va faire. Il va élever par-dessus les collines. Il va élever l'église par-dessus les collines. Et que toutes les nations, les communautés, les peuples, les ethnies, les langues, les cultures, toutes y afflueront. On ne dira pas là c'est l'église d'un tel, c'est l'église d'un tel. On dira c'est l'église où tout le monde vient. Les grands, les petits, toutes les nationalités, toutes les ethnies, c'est ça notre appel. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un bon amen. Donc si tu viens là pour dire, non là-bas moi c'est l'église des gens du sud. Chez nous, il n'y a pas des gens du sud, il n'y a pas des gens du nord, du centre, de l'est, de l'ouest. Il n'y a pas des gens du Cameroun, il n'y a que des citoyens du royaume des cieux. Un point, un trait. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ce n'est pas un problème. Mais nous, c'est notre mandat. Dieu dit, les gens viendront de partout et il va y envoyer les nations. Verset 3, il dit, des peuples s'y rendront en foule. Il n'a pas dit, ils se rendront avec 10 personnes. Non, Dieu dit, je vais envoyer ici, chez vous, des peuples en grand nombre. Foule veut dire masse. T'entends? Masse. Pourquoi? Il a un peuple nombreux à sauver. Et quand il a un peuple nombreux, il doit être capable d'accueillir ce peuple nombreux. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Et ce peuple-là, ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin que quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Allons à l'église.
pas pour faire seulement les histoires, pas juste pour passer, mais pour être instruit, pour être enseigné. Pourquoi être enseigné? Afin que nous marchions dans ses voies, afin que nous manifestions en Christ, afin que nous vivions la vie de Christ, afin que nous devenions les lumières du monde, les sels de cette terre. C'est pour ça qu'ils viendront être enseignés comme toi, tu viens pour être enseigné. Si quelqu'un a compris, dis-moi amen. Afin de marcher dans ses voies. Pourquoi est-ce que nous venons? Pourquoi est-ce que Dieu envoie un peuple nombreux? Pourquoi est-ce que toi tu es là? Dieu nous a dit ce qu'il nous a dit dès le commencement, quand il nous a suscité, quand il nous a établi. Nous ne sommes pas là parce que nous avons voulu être là. Vous le savez, nous n'avons jamais pensé être pasteur. Pas moi, ni ma femme, personne. Personne et personne. Pasteur, ils vont encore moins. Moi, je ne suis pas venu parce que je n'avais rien à faire. Nous avons été appelés par Dieu. Faites attention. Ce que papa Karimri a dit là, c'est Dieu qui me l'a redit de manière claire. Il m'a dit, tu es mon serviteur. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis rien. Il m'a dit, je t'ai choisi. Ah, papa, quand Dieu te dit, tu choisis qui? Moi? Oui, toi, je t'ai choisi. Ce n'est pas moi. Donc, vous qui me critiquez là, je vous en supplie. Et je ne me suis pas appelé moi-même. Si on me tire dessus, on me salit, on m'injure, il n'y a pas de problème. Mais si je suis appelé par Dieu et de Dieu, miséricorde. Faites attention, parce qu'il y a un héritage, il y a une grâce spéciale qui accompagne ceux qui sont appelés de Dieu. Beaucoup de gens cherchent les titres, les diplômes, les fonctions, les privilèges. Moi, je ne cherche rien, je les fouille. Dieu m'a dit, je t'établis. Donc, d'ailleurs, moi, mon appel apostolique, là, on m'appelle pasteur Yves, simple petit pasteur Yves. Mais c'est Dieu qui m'a établi. Donc, celui qui est en train de me tirer dessus, là, ok, allons-y, on va avancer. Je vous dis, hein, s'il nous tire déjà maintenant, là, mais ils vont faire quoi dedans? Déjà, dans quelques mois, quand on va inaugurer là-bas, ça va être compliqué. Non, il y en a qui vont s'arracher les cheveux, s'arracher la tête, casser les dents, mais ils vont critiquer. Encore eux, mais nous, on n'a rien fait. Nous, on domine sans faire d'efforts. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Un point, un trait. Je ne fais pas exprès. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Un point, un trait. Si Dieu dit que tu es une lumière, ne laisse pas Satan te dire, tu n'es pas une lumière. Si, tu es une lumière. Si, la lumière, ce n'est pas une question d'argent, pas une question de vêtements, c'est une question à l'intérieur. Je suis une lumière. Et je vais briller dans ma génération si je parle à quelqu'un de moi. Amen. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que depuis des années, nous poursuivons une vision. Dieu nous a donné une vision. Écoute-moi, si tu viens à ICC, toi, tu ne viens pas pour venir. Oh, je suis à ICC. Non. Si tu es à ICC, c'est pourquoi? Pourquoi tu es ici? C'est quoi ton but? Pourquoi tu t'es envoyé là? Je suis venu te rappeler ce matin le pourquoi. Où est-ce que nous partons? On ne monte pas dans un train si on ne sait pas où part le train. On ne monte pas dans le bus si tu ne sais pas où part le bus. Toi, tu vas où? C'est écrit ici. Voilà, on monte. Quand on vient ici, c'est pour ça. Dieu nous a dit. La vision que je vous donne par vous, c'est de construire des générations de disciples de Jésus-Christ qui influencent ou encore qui impactent positivement leur environnement. Construire, construire, bâtir, construire, édifier, susciter des générations. Quand on parle de génération, ça veut dire des hommes de tout âge, toute catégorie, tout profil, des adolescents, des adultes, des enfants, des seniors, des âgés, très âgés, même à 100 ans, tu peux te réveiller et impacter ton environnement. C'est à cela. Quand tu viens à un patient chrétien, d'ailleurs, toi, on te critique tellement parce que tu viens ici, il faut quand même que tu deviennes la vision, il faut quand même que tu deviennes ce pourquoi Dieu t'a envoyé là. Non, non, non. En tout cas, nous avons quand même le palmarès d'être, j'ose le dire, l'église la plus critiquée. Et je suis extrêmement heureux. Et tu dois être heureux, mais tu dois suivre la vision. Donc, quand tu viens ICC là, à peine tu as dit, je deviens membre d'ICC, tu viens de devenir un homme, une femme en construction. Tu viens d'accepter d'être dans un centre d'entraînement. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent les Navy Seals. Ils ont ce qu'ils appellent les GIs. Là-bas, on forme les gens pour en faire des champions, des héros, des leaders, des hommes, des soldats redoutables, vaillants, conquérants. De la même manière, quand tu viens ici, mon ami, ce n'est pas juste pour dire, je vais à l'église. Non! Tu viens à l'église pour être transformé par l'Esprit et la parole de Dieu afin que tu deviennes un homme, une femme qui impacte positivement ton environnement. Dans quel environnement Dieu t'a appelé, je ne sais pas. Mais chacun de nous est appelé à exercer dans un ou plusieurs environnements. Certains, c'est la politique. D'autres, c'est les médias. D'autres, c'est le sport. D'autres, c'est l'économie. D'autres, c'est la culture. D'autres, c'est les arts. D'autres, c'est n'importe quel. D'autres, c'est l'éducation. Quel que soit le niveau, l'environnement dans lequel Dieu nous appelle à aller,
Dieu dit, quand tu vas là-bas, tu dois faire le maximum d'impact. Et on ne te verra pas toi, on verra Jésus le Christ en toi. Tu vas avec le caractère de Christ, avec la bonté de Christ, avec la miséricorde de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec l'humilité de Dieu. Parfois Dieu va t'élever tellement puissant. On va te dire, mais comment il est puissant? En même temps, il est humble. Oh, c'est bizarre. Oh, non, c'est le caractère du maître qui est formé en toi. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon amen. C'est ça. Tu es en train de faire. C'est ça. Allez. Parce que notre société croit que quand tu es humble, tu es faible. Non. Quand on est humble, on n'est pas faible. Parce que l'humilité précède la gloire. Les gens, renseignez-vous. Je vous mets au défi, allez lire l'histoire des hommes qui ont changé le monde, l'histoire des hommes qui ont fait les plus grandes inventions, ceux qui ont bouleversé le monde dans le domaine de l'économie, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la santé, dans le domaine des découvertes scientifiques. C'était la plupart d'entre eux, beaucoup de gens, ce n'étaient pas des gens du chrétien du dimanche qui allaient à l'église et puis qui revenaient à l'église que le dimanche, non. C'était des passionnés de Christ, des gens qui étaient attachés à Christ. Les Thomas Faraday, ils ont découvert, ils ont fait des inventions scientifiques. Les Paul, les Pierre, Marie Curie, plutôt Pierre et, comment ça s'appelle déjà, Pierre et, ah, je m'en fous, ils sont nés, ils sont morts maintenant, ils sont avec Dieu. C'était des gens qui étaient, Marie Curie, ils ont créé, ils ont fait des inventions. C'était des gens qui étaient des passionnés de Christ. Les frères Wright qui ont inventé l'avion, c'est eux qui ont inventé le concept de l'avion. C'était des attachés de Christ. Les Thomas Edison, les gens qui ont créé l'électricité, c'était des gens qui étaient attachés à Dieu. Les Thomas Jefferson, c'était les premiers, ce sont ceux qui ont créé les États-Unis d'Amérique. C'était attachés à Dieu. Ce n'étaient pas des chrétiens du dimanche, c'était des disciples de Jésus-Christ. Ils aimaient répandre la bonne odeur de Christ partout où ils passaient. Les Webster, c'était dans le conseil d'administration, dans le conseil des gens qui ont créé les États-Unis d'Amérique. C'était des gens qui impactaient leur monde. Ils étaient connus pour être des disciples de Jésus-Christ. Pas des chrétiens ordinaires. Ah, je vais à l'église dimanche. Non! Je suis fatigué d'avoir des chrétiens ordinaires. Quand Christ vient habiter en nous, on ne peut pas être un homme ordinaire. On devient un homme extraordinaire. Par la puissance. Oh, laissez-moi tranquille. C'est ça l'évangile. Toi, tu veux devenir des chrétiens. Non, j'en ai marre de ça. Ça va changer. Ça a commencé à changer en 2017, non? Tu vas voir, le changement va s'intensifier en toi. Pourquoi tu viens ici? Parce que tu es dans une vision. Si tu dis, je fais partie de l'ICC, ça veut dire, je fais partie de la vision ICC. Quelle est la vision ICC? On est en train de me construire pour devenir un tueur de géants, pour devenir un homme et une femme d'impact. Quelqu'un dans la vie doit compter. Je te dis, mon frère, je me manque de savoir où tu es né, comment tu es né, qui sont tes parents. Tout ça, là, ça n'a aucune importance. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ce qui importe, c'est ce que tu vas devenir. Et je vous dis ici, là, il y a beaucoup de personnes, je vous dis, l'année 2017, quand on regarde ta vie, tu n'as pas beaucoup témoigné. C'est vrai. Et hier après-midi, le Seigneur me disait, tu vas voir, à cause de la grâce et de la puissance que je vais manifester, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas de témoignage. Pendant les 12 mois de 2018, tu auras un témoignage enviable. Chaque mois, tu vas dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Voilà ce que tu as fait. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu m'a dit hier après-midi, hein, beaucoup dans les 12 mois de cette année qui vient, qui commence demain, frère. Chaque mois, tu vas dire, voilà ce que tu as fait au travers de moi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Il y en a ici, les gens vont même te dire, ah, tu exagères. Tu dis non, tu n'exagères pas. Il est le Dieu de l'abondance. Il est le Dieu parce que je suis devenu un ambassadeur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reçois ces paroles. Celui qui reçoit ces paroles-là, tu vas témoigner en janvier, en février. Ah, tu es en train de me gaspiller, frère. Dieu va te gaspiller. Quand la bonté de Dieu se tourne sur quelqu'un, je te choisis. Frère, il va te gaspiller. Par ses compassions, il va te gaspiller. Par son amour, il va te gaspiller. Par sa bonté, il va te toucher. Tu auras un témoignage. En 2017, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires que tu pouvais raconter. C'est normal. Tu étais dans la phase préparatoire. On va voir ça ce soir avec les gagnants d'âme. Pour ceux qui seront là et pour ceux qui ne seront pas là, vous allez l'entendre seulement parler. Ok, ne sois pas fâché, je ferme la parenthèse. Ah, quelqu'un me dit amen. C'est pour cela que nous sommes là. Je nous rappelle pourquoi on est là. Je ne suis pas là pour rien. On ne prend pas tout ce qu'on fait pour rien. On ne fait pas tous les efforts qu'on fait pour rien. On le fait tout pour les intérêts de Jésus. Tout pour Jésus, rien que pour Jésus-Christ. Tout pour le royaume, rien que pour le royaume. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un très bon amen.
Et cette année, Dieu nous a dit, comme il y a un peuple nombreux à envoyer, on va aller coudé par coudé. Cette année 2018 qui va commencer demain. Notre objectif, nous devons, aujourd'hui nous sommes à peu près à 2600 âmes, donc à peu près 2200 adultes. Et cette année 2018, dans un an, nous devons être au minimum 6000 adultes. Écoute-moi, au minimum 6000 adultes. T'inquiète pas, hein, le but, c'est de faire en sorte que presque, tous hommes matissent à niveau. Dis avec moi presque. Mais le presque là, on y va. Niveau par niveau. Progrès par pas à étape après. L'année prochaine, à la même période, nous serons à la base. Nous aurons deux cultes pleins. Pourquoi pleins? Parce que quand Dieu vous donne une taille, une capacité plus large, c'est pour remplir. Ne t'amuse jamais à demander à Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il te donne plus et tu ne fais rien avec. Non, c'est du gâchis. Quand Dieu donne, il augmente le conteneur, c'est pour que tu déposes davantage. S'il augmente le seau, c'est pour qu'il y ait davantage d'huile ou d'eau. Dis-moi amen. Pourquoi? Il a dit, j'ai un peuple nombreux. Acte 13, verset 44. Le dimanche suivant, le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Ils viendront de partout, dans les églises impactantes chrétiens. Oh, on avait dit, c'est les églises des francs-maçons, des sorciers, des féticheurs. D'accord, accusez-nous, il n'y a pas de problème. Le chien aboie, mais la caravane, elle fait que son travail. Le chien aboie. Pendant que les chiens sont en train d'aboyer, on avance. Donc, Matisse à niveau, ce moment, on avance. Ils vont critiquer. En 2018, ils vont encore critiquer. C'est pas grave. La caravane avance. On gagne des âmes. On s'étend. On étend le royaume. On va à Infondo. On va à Wesso. On va à Muyunzi. On va à Sibiti. On va à Gamboma. On va aller. Bientôt, on va aller à Kigali. Quelqu'un qui me suit me dit amen. J'ai oublié de signer, de parler de Kigali parce que Dieu nous appelle à implanter ICC au Rwanda, à Kigali. Ça va dépendre de Brazzaville. Et d'ailleurs, je sens dans mon esprit aussi que Bangui, il faudra penser à Bangui cette année en République centrafricaine. Bangui a besoin de voir la même grâce qui est sur nous, reposer sur eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénir le nom du Seigneur ici? Parce que tu es en train de t'étendre. Pourquoi ton cœur doit être heureux? Parce que rien ne fait plaisir au cœur de Dieu. Si ce n'est une âme qui est gagnée, si ce n'est son royaume qui s'agrandit, rien. Donc si Dieu est content, apprends à être content. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Donc l'année prochaine, nous avons 6000 âmes à aller gagner. Au minimum, c'est le minimum. C'est le minimum. 6000 âmes, c'est le triple de ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire que si nous sommes 2000, 2200, si chaque âme qui entend le son de ma voix accepte dans son cœur pour dire Seigneur, je vais gagner deux âmes et les garder. Parce que c'est 6000 disciples qu'il faut. C'est-à-dire les gens qui sont déjà à l'école de discipula, être en train d'être formés par Dieu. Toi et moi, nous sommes toujours à l'école. Dis amen. Mais au moins, nous sommes assidus à l'école. Nous ne sommes pas des sécheurs de cours, des chrétiens du dimanche. Je ne parle pas de 6000 chrétiens du dimanche. Je parle de 6000 disciples engagés dans la vie à manifester Christ. Ils ne sont pas encore humbles, mais ils sont sur l'autoroute de l'humilité. Ils ne sont pas encore parvenus, mais ils sont sur le chemin. Petit à petit, chaque année, ils avancent. Si quelqu'un me comprend, dis-moi amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Ne vous y trompez pas. C'est cela qu'on est en train de devenir. Des disciples de Christ engagés dans la cause de l'évangile. Pour répandre l'évangile de Christ. C'est si toi, tu t'engages juste deux âmes en 12 mois. Si Dieu te dit deux âmes, gagne-les. Prie pour eux. Quand tu les as gagnés là, prie maintenant pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux pour qu'ils grandissent, qu'ils soient établis, quel que soit leur âge. Prie pour eux. Tu es en train de faire le travail le plus important sur terre. Tu les as gagnés deux âmes. Si chacun d'entre nous sont engagés à gagner seulement deux âmes, au bout d'un an, ça fera 6000. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'en 2017, il y en a qui n'ont rien fait. D'autres ont fait, gloire à Dieu. Mais il y a ton voisin là qui n'a pas fait grand-chose. Et le père n'est pas content. Le père est triste. Tu es sa fille, tu es son enfant, son fils. Mais le père n'est pas content. Il dit, mais tu n'as pas reçu mon cœur. Je vais à l'église. Oui, non. Ce n'est pas d'aller à l'église. C'est de travailler pour Dieu. Il y a une différence entre être un fils de la maison et puis être un fils de la maison qui travaille avec le père. Il ne faut pas seulement être un fils ou une fille. Il faut être une fille qui travaille pour Dieu. C'est-à-dire un ambassadeur, un témoin de Christ, un missionnaire. Si je parle à quelqu'un de moi, un pauvre amen. Un gagneur d'âme. Donc cette année, prends l'engagement.
Deux âmes à suivre, à gagner et à suivre. Deux âmes. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux. Qu'ils soient établis, qu'ils soient fortifiés, qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent bon. Toi-même aussi, tu dois tenir bon. Nous, on prie pour toi. Tu pries pour les autres. Une seule âme gagnée, établie, ça fait de la joie dans le cœur de papa. Bon, nous, on ne va pas se limiter à deux. Hein. Non, nous, on est des visionnaires. Nous, on voit grand. Moi, je vais donner, je demande à Dieu le maximum. Donne-moi tout le monde. Donne-moi les âmes. Donne-moi les gens qu'on veut, dont personne ne veut. Donne-moi les âmes. Donne-moi les âmes. Il dit oui, j'ai beaucoup d'âmes qui périssent. Donne-les-moi. En sorte que demain, presque toute la ville viendra célébrer Dieu. Là où on va là-bas, ça a l'air encore grand. C'est vrai, c'est grand. Mais je vous dis qu'il est ici 3 ans. Là où on va, là, on va être comme ici aujourd'hui. On va commencer à dire, ah, on est trop à l'étroit. Mais j'ai vu au Nigeria, chez David de Yedepo, 50 000 places. Oui. Ouais, 50 000 places. C'est comme un stade, 50 000 places. Oui, mais quand ils ont fait la conférence le mois dernier, il y avait 2 millions d'âmes. Bon, comme là-bas, ils ont pris tout avant toute la ville. Seigneur, je te loue de ce que tu vas le faire ici aussi. Alors lui, il est allé là où il n'y avait personne. Il a bâti Canaan, l'Inde, là, il n'y avait personne. Donc, ils en ont fait toute une ville. Donc, quand vous allez là-bas, si votre foi est trop faible, comme beaucoup de chrétiens d'ici là, non, moi je ne crois pas que Dieu peut bénir, je ne crois pas que. D'ailleurs, si on te lève, tu es un franc, je ne sais pas quoi là. Si tu as eu une petite promotion là, maintenant tu es devenu franc. Si tu as une nouvelle voiture, tu es devenu franc. Permettez-moi l'expression, je n'arrive pas à me contrôler. Misérable. Foi petite et ridicule. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui voient grand, qui voient grand, qui imaginent grand. Et qui accepte de commencer petit. Si quelqu'un me suit dit amen. Donc, je veux lui dire, dans 3 ans, là où on va là-bas, ça sera très petit. Donc, maintenant, je suis en train de dire, Seigneur, dans 10 ans, on ira où? On va d'abord aller là-bas. Non. Non, pas le stade de Kintele. Bon, si on nous donne Kintele, aucun problème. Comme ça, on va faire une autoroute qui va du centre du vers Kintele. Tu vois, non? Vous savez, parfois, je vais vous faire une. J'ai une faiblesse. J'ai vraiment une faiblesse. C'est que des fois, je rêve trop. Des fois, je suis là, je balade, je dis bon, si on mettait une autoroute là pour faciliter le transport. Ça, c'est Ngamoko, hein. C'est mes visions là. J'ai dit bon, ici, on va casser. On peut casser ça, non? Pourquoi on ne ferait pas. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi, si vous voulez. Non, Dieu veut que tu rêves. Si quelqu'un te dit, ah, laisse tes rêves là. Toi, tu. Il y a même des gens ici, ils sont attaqués dehors. Il y a même des gens ici, quand ils vont dans certains lieux, j'ai écouté plusieurs témoignages de certains d'entre vous. On était là-bas, on est en train de parler entre nous, on est en train de faire tout. Et puis, je nous regarde et je dis, vous êtes des chrétiens? Oui. Vous êtes de quelle église? Et puis, même, ils disent, ils donnent la réponse. Vous n'êtes pas de ICC, non? Tu as vu, hein? On commence à nous donner une réputation. Quand les gens commencent à vouloir faire les choses bien pour la gloire de Jésus, on dit, toi, tu n'es pas des. Mon frère, votre église, vous êtes l'église des francs-maçons. Papa, laisse-les parler. Le chien aboie. Avance seulement. Gagne les âmes. Prie pour les âmes. Établis le royaume. Si je parle à quelqu'un, si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. 6 000 âmes, c'est notre objectif. Pas moins. Pas moins. Dis à ton voisin, pas moins. Parce que Dieu est un peuple nombreux. Alors, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Au moins deux. Ce soir, on va prier. Dimanche, on va prier. Tout le mois de juin, on va prier. La capacité de gagner au moins deux et de le garder nous soit accordée. Au moins deux. Et les deux là, ne t'inquiète pas, elles ne seront pas malades. Quand elles vont être malades, tu vas prier, tu vas chasser les démons. Les démons vont partir. Je vous dis, hein, 2018 là, oh non, on va voir une dimension de gloire qu'on n'avait jamais connue. Mais tu vois, non, il nous connaît toujours niveau par niveau. Tozo Matissa, niveau. Quelqu'un me dit amen. Comment nous allons faire pour atteindre ces objectifs? Cette vision. Remplir la maison de Dieu. Produire des disciples. Former des disciples. Les faire établir dans la parole. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est simple. On travaille. On va beaucoup travailler. Structurer les choses. Organiser les choses. Plus on devient grand, plus il faut de l'ordre. Plus on a la discipline. Quelqu'un me dit amen. Sans discipline, c'est la pagaille. Sans ordre, la pagaille. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu nous as dit, objectif, 6 000 âmes minimum.
Maintenant, comptez sur ma grâce pour multiplier. Mais on va d'abord taper 6 000. Et pour ça, nous allons poursuivre 5 objectifs. C'est-à-dire, premier objectif, mettre en place des plateformes d'adoration, de célébration. Ce qu'on le fait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a nos cultes du dimanche, qui sont des plateformes d'adoration, de célébration. On le fait déjà aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Les cultes du vendredi soir. Ne dites plus tant d'atmosphère de gloire. Non, ce sont les cultes du vendredi soir. Et les cultes du vendredi soir ont une particularité. Dieu nous a inscrits à une école. Donc quand on vient, ce n'est pas le format du culte du dimanche, c'est vrai. Mais c'est quand même un culte. Et on vient pour être édifié, être établi à l'école de la foi. À l'école de la foi. Rien n'est plus important que la foi. Et vendredi après vendredi, Dieu va nous enseigner de mille manières la foi. Quelqu'un dit amen. Nous allons avoir des programmes de prière encore soutenus cette année. Oh, gloire à Dieu pour tous les programmes de prière. 60 heures, 72 heures, 24 heures, qu'importe. Nous allons avoir des temps de prière, intensifier la vie de prière. Quelqu'un me dit amen. Nous allons avoir des séminaires. On ne peut pas avoir les séminaires dans le format qu'on voudrait avoir. Tant qu'on déménage, il n'y aura pas de séminaire. Par contre, on va faire un atelier. Et la semaine prochaine, samedi prochain, le Seigneur m'a dit, tu fais un atelier sur comment réussir financièrement, comment prospérer financièrement, même en temps de crise. J'ai reçu le message pendant que j'étais en train de prier. Il m'a dit, voilà ce qu'il faut dire. Enseigne mon peuple comment on fait. Comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir financièrement? Beaucoup d'entre nous, nous aimons Dieu, mais c'est la galère financièrement. Mais parce que nous ne connaissons pas, un, les principes, deux, les instructions. Non, les instructions, on ne les comprend pas. Voilà pourquoi quand on a un peu d'argent, on n'arrive pas à le fructifier. Et parce qu'on se dit que pour fructifier l'argent, il faut que j'aille travailler quelque part encore ailleurs. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a les lois de la terre, puis il y a les lois du ciel. Vous savez, au Congo, il y a beaucoup de citoyens américains, à Pointe-Noire notamment, qui galèrent à cause de la crise. Mais l'ambassadeur américain qui est ici là ne connaît pas la galère. Ils sont tous les deux citoyens, hein, mais il y en a un qui travaille pour le gouvernement américain, l'autre qui est juste citoyen américain. Le citoyen, il galère parce que le gouvernement américain ne le soutient pas. Mais l'ambassadeur est soutenu, pas par le Congo, non, par l'Amérique. Si quelqu'un me suit, dit amen. Donc, si quelqu'un veut prospérer, veut s'épanouir dans le domaine financier, il y a des choses que tu dois comprendre, mais que tu n'as pas compris encore. Hein? Voilà pourquoi l'atelier qu'on va faire samedi prochain, de 14h jusqu'à X heures, un atelier, parce qu'il y aura des questions, certainement, un atelier qui est très important. Le Seigneur m'a donné le contenu. Il m'a dit comment il faut en parler. Si quelqu'un me suit, dit amen. Voilà. Si tu as zéro franc, et tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu n'as jamais eu zéro franc. C'est faux. Ah, moi, j'ai rien. C'est faux. Personne n'a rien. C'est faux. Tout le monde a quelque chose. Mais tu es ignorant de ce que tu as. Tu méprises ce que tu as. D'autres, tu n'en as pas assez. Oui, ce n'est pas normal. Tu ne sais pas comment faire pour passer du pas assez au plus qu'assez. D'abord, le pas assez à assez. Assez, ça veut dire que tu peux couvrir tous tes besoins. Et puis après, le plus qu'assez, tu commences à rentrer dans l'introduction dans l'abondance. Mais non, dans l'abondance, c'est quand tu ne comptes plus. C'est là-bas que Dieu veut t'emmener. Mais déjà, première étape, il faut au moins quitter d'abord la zone de zéro. Après, tu quittes la zone de pas assez. Tu rentres dans la zone de assez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu veux t'en sortir dans le domaine des finances, ton argent, tes finances, tes moyens financiers, il va falloir que tu apprennes comment on gère les finances selon Dieu. C'est ça qu'on va voir dans l'atelier de samedi prochain. Si quelqu'un a compris, dit amen. Donc, ça s'adresse à ceux qui n'ont rien, à ceux qui ont juste assez, à ceux qui n'ont pas assez et à ceux qui ont beaucoup. L'atelier s'adresse à tout le monde. Donc, si tu viens, gloire à Dieu, on n'oblige personne à venir. D'ailleurs, il n'y aura pas de place, déjà, je le sais. Quand on parle de Mbongo, j'y arrive. N'invite pas les gens de l'extérieur. Non, tu n'invites personne de l'extérieur. Ça, c'est une réunion interne. Oui, oui, ça, c'est pour les gens de la maison ICC. C'est une grâce que Dieu veut déposer sur la maison ICC. Maintenant, si quelqu'un te dit, je dois venir, ok, laisse-le venir. Si quelqu'un me suit, dit amen, je continue. Voilà. Donc nous allons travailler sur, nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à développer les temps d'adoration et de célébration. Deuxième chose, nous allons développer, nous sommes en train de faire une refonte du système des formations. Dis avec moi les formations. Les formations sont très importantes. Je vous annonce une refonte totale, une transformation totale du système de formation tel qu'on a toujours fait avec la projection vidéo. On va arrêter ça pendant un certain temps et on a changé le contenu des formations. On s'est mis d'accord avec le pasteur Yvan pour enlever pas mal de contenu et remplacer d'autres contenus, remplacer d'autres thèmes comme la foi dont on ne parle pas assez, comme la puissance de la croix dont on ne parle pas assez, afin que les chrétiens soient beaucoup plus armés, beaucoup plus outillés, afin que les disciples soient vraiment pleinement outillés pour devenir des vrais ambassadeurs à l'extérieur. Quelqu'un me dit amen. Tout ce qu'on donne comme formation a toujours pour vocation de faire en sorte que Christ soit mieux formé en nous.
que Christ soit établi en nous, que sa vie soit établie en nous, son caractère soit établi en nous. Et par la grâce de Dieu, le parcours de la nouvelle création sera totalement revu ce mois-ci, ce mois de janvier. Quelqu'un me dit amen et je continue. Nous devons développer toujours des plateformes de communion fraternelle, très important. Nous avons mis en place les églises de maison pour favoriser les temps de communion fraternelle. Les groupes d'impact aussi vont être réformés, ceux du jeudi soir vont être réformés. Cette année, vraiment, il y a beaucoup de réformes, vraiment, il y a beaucoup de réformes. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduit dans ces différentes réformes afin de prendre soin du troupeau. Nous avons déjà les ministères, c'est vrai. Beaucoup de gens ici font déjà partie des ministères. Mais au-delà des ministères, Dieu nous a dit il y a plusieurs mois maintenant de mettre en place les familles d'intégration qu'on appelle les groupes d'évangélisation et de suivi. C'est très important que chaque âme de ICC, parce qu'en prévision de la croissance que Dieu veut pour son Église, il nous faut nous organiser. Il ne faut pas attendre, il faut s'organiser dès maintenant. Nous mettons en place des groupes d'évangélisation et de suivi, ou encore des familles d'intégration. Chaque âme qui vient à ICC doit appartenir à une famille d'intégration. Je suis dans l'église ICC, c'est vrai, mais j'appartiens à telle famille d'intégration. Aujourd'hui, par exemple, il y a une famille d'intégration qui est là pour recevoir tous les gens qui sont les invités pour la première fois. Et les gens qui vont dire, j'accepte de rester, de devenir membre de l'ICC, automatiquement, ils vont devenir membres de cette famille d'intégration. Dans une famille d'intégration, on partage tout. L'église est beaucoup grande. Elle est presque 3000 bientôt. On ne peut pas gérer tout le monde. Tout le monde ne peut pas connaître tout le monde. Mais dans une famille d'intégration, tu apprends à connaître tes frères et tes sœurs. Si dans la famille d'intégration, on est 100, tu apprends déjà, dès que tu arrives, il y a des gens ici, quand ils arrivent, au bout de 3 mois, 4 mois, ils ne connaissent toujours que 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas normal. C'est parce que voilà pourquoi j'ai tellement crié à Dieu. Dieu nous a dit, mettez en place ce concept. On a commencé ce concept-là. Il n'est pas encore parfait, mais il va devenir de plus en plus parfait. Il faut que chaque âme, toi qui es déjà à l'église, Cocobar, là, tu n'as pas de famille d'intégration. Inscris-toi pour que tu sois affecté à une famille d'intégration. Dans la famille d'intégration, on doit s'occuper des uns des autres. On doit prendre soin les uns des autres. Famille d'intégration, on s'appelle, on se visite, on se côtoie, on se fréquente, on s'exhorte, on s'édifie. C'est ton anniversaire, tout le monde est au courant. Tu peux avoir 100 messages d'anniversaire. Or, quand tu n'es pas dans la famille, là, qui va t'appeler? Tu es malade, on te visite. Non, c'est important. Chaque personne dans l'église ICC doit être dans une famille d'intégration. Et puis quand la famille d'intégration sera trop grande, on va la casser pour en faire d'autres familles d'intégration. Pour que personne ne soit seul. Que tout le monde soit appartenu à une famille. Vous savez que le sentiment, le besoin d'appartenance à une famille, c'est un des besoins vitaux de tous les êtres humains. Les êtres humains ont besoin d'être appréciés. Les êtres humains ont besoin d'appartenir à une famille. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc si tu n'es pas encore dans une famille d'intégration, inscris-toi pour être engagé dans une famille d'intégration. Amen. Nous devons développer les familles d'intégration. En 2018, nous allons vraiment intensifier les temps avec la famille d'intégration. C'est très important. Ça, c'est vraiment une révélation claire de la part du Seigneur et il faut la mettre en place. Quelqu'un qui vient à l'église qui ne connaît que deux ou trois personnes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos portes, ouvrir nos maisons à nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un me suit, dit amen. Cette année aussi, nous devons développer le service, c'est-à-dire chacun de nous doit de plus en plus s'engager à devenir une star. Tu vois, si tu n'es pas, aujourd'hui, les gens deviennent stars après avoir été dans le parcours des formations. Mais on n'est pas obligé de s'engager seulement dans les formations. Plutôt, on n'est pas obligé d'attendre la fin des formations pour s'engager à l'église. Voilà pourquoi il y a des familles d'intégration. Et aujourd'hui, les stars, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans les différents ministères, non. Les stars, ce sont ceux qui s'engagent à faire le travail de Jésus-Christ, gagner des âmes, suivre les âmes. Gagner des âmes, garder des âmes. Gagner des âmes, garder des âmes. Voilà pourquoi chaque star, chaque personne qui s'engage aujourd'hui à obéir à cette vision-là pour aller devenir des disciples de Jésus qui impactent leur environnement, nous devons devenir des hommes et des femmes de prière. Et donc, les serviteurs doivent d'abord être des hommes et des femmes de prière. Tout cela commence toujours par la prière. Si nous n'avons pas de vie de prière, nous ne sommes qu'un club d'amis, un club social, un club théologique, un club de rencontres, un club qui ne sert à rien. Tout doit s'appuyer sur la puissance de la prière. La prière est rien que la prière. Et après la prière comme fondation, on construit le reste. Sinon, il n'y a rien. Sinon, c'est un club de gens qui se rencontrent. Alors, ça va? Ouais, ça va. Ça va toi? Non, je me suis déçu. Et je connais des gens comme ça. Hein. Ça va? Je suis dépressif. Je fais une dépression. Et toi? J'ai un cancer. Et toi? J'ai le sida. Oh, alléluia. Prions. Pitié. Pitié. Ça, c'est quoi ça? On est où là? Mais c'est normal. Il n'y a pas de vie de prière. Donc, no power, pas de puissance, pas d'autorité, rien. Mais c'est un club. Et c'est un club où tout le monde est frustré. Ça va toi? Non, je suis angoissé. Et toi? Moi aussi, je suis angoissé. Moi je suis frustré. Et puis alors, critiquons maintenant, critiquons. Club d'amis misérables, ça ne sert à rien. Nous devons bâtir nos vies sur la base de la prière. La prière en faveur des intérêts du royaume.
Si quelqu'un me suit, dit Amen. ICC, nous avons commencé en 2017 par la grâce de Dieu, la magnifique et merveilleuse présence du Saint-Esprit. Il nous a appris à prier. Il nous a appris à prier selon les intérêts du royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout, c'est d'abord le royaume. Tu te rends compte de la grâce qu'il nous a fait de nous faire comprendre ces choses. Les gens prient pour toutes sortes de sujets. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour mon mariage, pour mes enfants. Il n'est pas contre ça. Mais il dit que ce n'est pas sa priorité. Il y a la loi des priorités. Dans un pays, dans le royaume de Dieu, la loi des priorités, c'est Dieu d'abord. Il dit, cherche d'abord les intérêts du royaume. Les tiens passent après et ceux de Dieu passent avant. Non, mais ce n'est pas grave. Ceux de Dieu, je m'en occuperai avant. Dieu dit, oreille fermée. Moi aussi, je n'écoute pas. Voilà pourquoi beaucoup sont frustrés. Les puits de prière ne marchent pas parce qu'on ne prie pas dans le bon ordre. Nous prions, mais Dieu n'entend pas notre langage. Dieu ne connaît que sa parole. Dieu ne respecte que sa parole. Il a dit, quand vous priez, voilà le canevas, voilà le déroulé, notre Père, qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. C'est ça qui est écrit. Que ton nom soit sanctifié. Donne-moi mes pains, j'ai des besoins. Non! Que ton règne vienne immédiatement. Et que ta volonté soit faite. Quand tu pries selon cet ordre-là, Dieu dit, ta prière, je la valide. Elle est conforme à ma parole. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. C'est comme ça. Et nous, en galère, on est là en galère, on veut des voitures, des mariages, l'argent, le travail. Et il n'est pas en colère, il n'est pas contre ça. Mais il dit, mais parle d'abord mon langage. J'ai des besoins, moi. Quels sont les besoins? Quand on prie pour que le règne de Dieu s'établisse, que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dans que ton règne vienne? Il dit, priez. Qu'est-ce qu'on met dedans? Que le règne de Dieu vienne. Il y a des sujets de prière qui sont importants. Priez pour que les âmes soient gagnées, pour le salut des âmes. C'est prier. Que le règne de Dieu vienne. Priez pour que les âmes qui sont gagnées soient établies, soient affermies, soient matures. C'est prier pour que le règne de Dieu soit établi. Priez pour que l'église du Seigneur ne cesse de s'étendre, de s'agrandir. Donc priez pour la croissance surnaturelle et continue de l'église. C'est prier pour que le règne de Dieu soit établi. Priez pour que Dieu produise des signes, des prodiges, des miracles. Par le glorieux Saint-Esprit. Priez pour que la puissance surnaturelle, la puissance de l'Esprit touche le pays, touche l'Église. C'est prier pour que le règne de Dieu soit établi. Car sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Priez pour les leaders de l'Église, les leaders spirituels, les responsables spirituels. C'est prier pour que le règne de Dieu soit établi. Car il est écrit, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Il ne faut pas qu'on frappe le berger. Quand on frappe le berger, le troupeau est dispersé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un doit s'opposer au frappeur, à l'ennemi qui vient frapper le berger ou les bergers. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Priez pour nos frères et nos sœurs, selon qu'il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres, les uns les autres. Priez pour tous les saints. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs. C'est prier pour que la volonté de Dieu, le règne de Dieu soit établi. Priez pour notre pays, notre nation. C'est prier pour que le règne de Dieu soit établi. Bon, regarde ce point de prière là. Regarde ta vie de prière. Tu as même baissé la tête. Mais en 2017, gloire soit rendue à Dieu. Il nous a appris à prier pour ces sujets-là. Et ce soir, il va nous parler. Pour nous dire que, attendez, il y a une récompense qui vient. Oh, les intérêts composés, les intérêts composés, les intérêts composés. Tu as beaucoup investi dans la prière, investi, investi. Tu n'as pas encore eu de retour, ne t'inquiète pas. C'est parce que les intérêts sont en train de travailler sous la table. Les intérêts travaillent. Quand ça va sortir, tu dis, ça c'est... Voilà pourquoi je dis qu'il y en a beaucoup parmi les gagnants d'âme qui vont avoir des témoignages tellement viables que les gens vont te dire que toi, tu as un problème. Tu as touché à quoi? Tu dis, j'ai touché à la bonté, à la grâce de Dieu comme jamais auparavant. Quelqu'un me dit Amen. Et en dehors de la prière, continuer à faire notre travail d'ambassadeur, gagner des âmes. Et parce qu'il nous faut gagner des âmes, vraiment, ICC, nous devons avoir un cœur de missionnaire, d'ambassadeur. Ne dites pas seulement je suis un ambassadeur, non. Je suis un ambassadeur, je pense comme un ambassadeur, j'agis comme un ambassadeur, je fonctionne comme un ambassadeur, je parle comme un ambassadeur, c'est-à-dire un gagneur d'âmes, un témoin de Christ, quelqu'un qui va répandre la bonne nouvelle de Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 49, que la parole de Dieu se répandait dans tout le pays. La parole de Dieu se répandait. Donne-moi le verset 49. Il est écrit que là, verset 49, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays.
Qu'est-ce qui se répandait? La parole, c'est-à-dire l'évangile. Et pour que l'évangile se répande, depuis 3 ans, Dieu nous a dit de mettre en place une télé, une radio. La télé, on n'y est pas encore. La radio commence maintenant. D'ailleurs, elle a commencé. Ça fait 3 ans que Dieu nous parle. Pourquoi? Il dit propager la parole. Il y a trop de bêtises dans les airs. Mettez la parole dans les airs. Il y a des gens qui vont se... Il y a des gens même qui vont, pendant la nuit, ils sont en train de faire les incantations. Leur poste de radio va s'allumer. Il entend, l'évangile. Poum, poum, poum. Dieu me l'a dit. Il disait de ce cultiste, les sorciers, les magiciens, ceux qui aiment le monde des ténèbres, ils viendront. Vous allez venir, même vous qui êtes dans la salle là, vous allez venir me voir pour demander pardon. Vous allez passer de la puissance de Satan à Dieu. Sortir des ténèbres pour se soumettre à la majesté de Jésus, de Nazareth le Christ. Dites-moi tout ce que vous voulez me dire. Envoyez-moi, je vous donne même mes ongles. Bon, j'ai pas de cheveux, c'est vrai. Mais je suis prêt à vous donner même tout. Allez faire mélanger avec le sang de je ne sais quel animal. Allez mélanger. Dites-moi si ça marche. Donc vous allez voir, ça va marcher. Vous allez dire, bon, le type là, il faut seulement qu'on se range de son côté. Christ, on l'appelle le roc, le rocher. Il habite en moi. Et donc j'ose affirmer par la foi, je suis un roc. C'est pourquoi? Parce que Christ habite en moi. Je suis un roc. Tu sais c'est quoi le roc? Frère, fais attention. Hein. C'est pas un caillou, hein? Non, c'est le roc. Poum! Tu tombes sur lui, tu t'écrases. Il tombe sur toi, tu t'écrases. Donc, écarte-toi du roc et fais alliance avec le roc. Soumets-toi. Ça, c'est ma vie. Moi, je suis un roc. On tombe sur moi, on s'écrase sans faire exprès. Je tombe sur toi aussi, tu t'écraseras sans faire exprès. Tout le monde. Ça, je le dis depuis des années, ça sera toujours ainsi. Parle pour toi-même qui te sauve selon ta foi. Non, c'est ça. C'est pourquoi? Parce que Christ habite en moi. Un point, un trait. Et Satan le sait. Le diable le sait. Voilà pourquoi il m'insulte, il m'attaque beaucoup. D'accord. Je ne peux pas l'empêcher de m'attaquer. Ils ont attaqué Jésus avec lui en l'insultant, en calomniant Jésus. Ils ont attaqué les pauvres. On ne peut rien faire. Nous, on les bénit seulement. Voleurs, sorciers. Bisous, Dieu vous bénisse. Occultistes, féticheurs, francs-maçons. Bisous, Dieu vous bénisse. Aboyez. Moi, j'avance vers mon destin pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons une vision. Nous avons des générations à gagner et à transformer à l'image de Christ. Et les disciples de Jésus qui doivent embrasser le Congo, embrasser l'Afrique centrale, embrasser l'Afrique pour Jésus-Christ. Et les gens qui sortiront d'ici pour aller dans la sous-région pour aller répandre l'évangile, répandre l'excellence de Christ, la sagesse de Christ. Oh, je vous dis que bon, Dieu va faire des tellement grandes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Si quelqu'un le croit, dis-moi amen. Voilà pourquoi nous allons sortir. Donc la radio Sion FM. Sion, c'est la montagne de l'éternel. Sion, c'est l'église. 104.4 FM. Dans beaucoup de quartiers aujourd'hui à Brazzaville, elle est désormais accessible. On est encore en phase test, mais ça a commencé déjà. Frère, l'aventure a commencé, elle ne s'arrêtera pas. Parce que celui qui a commencé cette belle œuvre, c'est lui qui nous a dit de le faire, il est fidèle pour l'achever. Et si Dieu veut, avec tous les chantiers qu'on a, peut-être qu'à la fin de l'année, on aura créé la télévision Sion. Il y a trop de bêtises à la télévision, il est temps que quelqu'un mette un peu plus de contenu spirituel, avec des valeurs un peu plus christiques, des valeurs de Christ, quelqu'un dit amen. Des valeurs bibliques, des valeurs divines, des valeurs de Christ à la télévision. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Je n'ai pas entendu, dis-moi amen. Pourquoi nous allons faire toutes ces choses pour terminer? Parce que Dieu nous appelle à le faire. C'est le travail le plus important sur la terre. Ton travail, honnêtement, il est bien. Tu es comptable, tu es chef, tu es DG, tu es assistant, je ne sais pas ce que tu es. Tu es tout. Mais ton travail là, mon frère, ton travail ne passera pas la tombe. Le jour où tu mourras, ton travail mourra avec toi. Ton argent aussi. Même, il y a des gens qu'on a entré avec leurs billets. J'ai moulé avec mes billets. Les gens sont venus ouvrir la tombe pour prendre les billets. Donc, même quand tu as des billets là, tu ne vas pas partir avec. Et ils s'arrêtent seulement au niveau du cimetière. Il y a toujours des voleurs pour venir enlever. Enfin, pas des voleurs, des gens intelligents pour dire, mais il va mourir avec l'argent. Allons la Laguna. Allez, prenez-le. Ils ont sacrilège. Ils ont ouvert la tombe. Papa, ils sont en train d'aller faire leur argent là-bas. Laisse-les tranquilles. Tout ce que tu fais ne passera pas la tombe. Rien. Ne t'accompagnera pas dans le monde des esprits. Les seules choses qui vont t'accompagner dans le monde des esprits,
La Bible dit, ce sont les œuvres. Dis avec moi les œuvres. C'est-à-dire le travail que tu auras fait pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une réalité. Jésus a dit, pour rentrer dans le royaume, Jean 3, verset 3, il faut naître de nouveau. Et pour ça, il faut aller parler de Christ. Il faut aller témoigner de Christ. Il faut aller inviter les hommes à reconnaître Christ, à accepter Christ, à se tourner vers Christ. Il faut aller leur dire encore en 2018, comme on l'a fait en 2017, Christ est la réponse à tous les problèmes. La solution à toutes les questions. Sa mort était un sacrifice que le Père a donné aux hommes pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres sacrifices qui soient nécessaires. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? La réponse se trouve en Christ et en Christ seul. En lui, vous avez tout pleinement. Le problème, c'est que tu n'as pas compris. Mais par la grâce de Dieu, niveau par niveau, tu vas arriver encore à comprendre davantage ce que tu as compris en 2017. Parce que c'est Jésus qui va t'ouvrir les yeux par son esprit. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mais il faut aller parler. Dieu du ciel, il regarde les hommes. Regardez, il dit, qui sont beaux. Ah, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, il y a une catégorie d'hommes sur la terre. Quand Dieu les regarde, il dit, regardez, les gagneurs d'âme, ils vont de lieu en lieu. Ils annoncent la bonne nouvelle. Ils amènent des bonnes nouvelles. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Jésus est la réponse à tous les problèmes. Jésus est la solution à tous les problèmes. Il a été sacrifié par le Père pour que vous soyez sauvés. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, il a sacrifié ce qu'il a vu le plus précieux pour que vous ne soyez plus perdus. Dieu n'est plus en colère contre vous. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix vous a réconcilié avec le Père. Vous n'avez plus besoin de souffrir. Nous sommes le 31 décembre. Vous voulez avoir une bonne année. Une bonne année, non. Il n'y aura pas de bonne année s'il n'y a pas de nouvelle vie. Il n'y a pas de nouvelle année s'il n'y a pas de nouvelle vie. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire si tu n'as pas reçu une nouvelle vie, il n'y aura pas de nouvelle année. Ça va être la même année. Bonana, ça ne va rien changer. Il y en a qui vont mourir la semaine prochaine. Ils avaient dit, bonana, ça ne veut rien dire. La Bible dit, nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Satan frappe les gens comme il veut. Ils sont pas nés de nouveau. Ils sont à la merci du monde des ténèbres. Un démon, il t'a emporté. Oh, mais on ne comprend pas comment il est parti. Il n'est pas né de nouveau. Il est sous l'influence du royaume des ténèbres. Quelqu'un ne lui a pas parlé de Christ. Il n'a pas eu l'opportunité de recevoir Christ. Et il est perdu. Et ça sera trop tard. Car il est écrit qu'il est réservé à tout homme de mourir une fois. Pas deux, une fois. Après, quoi? C'est le royaume des morts et c'est l'attente du jugement. Le jugement ne va pas te réhabiliter. Le jugement va confirmer la sentence de mort. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Il explique, je vis les morts. Le séjour des morts, le royaume des morts, renvoya les morts qui étaient morts. Mais ça c'est une scène qui est réelle. Tout le monde est revenu. Et ils étaient tous là, en compté. Qui sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie? Et puis la Bible dit, les livres furent ouverts. Alors les gens attendaient qu'on cite leur nom. Un tel, ouf, mon nom, je suis sauvé. À côté, un tel, à côté, ça va s'accomplir. Toutes les prophéties se sont accomplies. Pourquoi pas celle-là? Le temps va venir. Tout quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie. Ah, on n'a pas appelé mon nom. Ah, là-bas, dans le lac de feu pour l'éternité. Mais là-bas, il y a Satan, il y a la bête, il y a le faux prophète. Ils seront au siècle des siècles. Pas à 10 ans, hein, au siècle des siècles, tourmentés. Non, Dieu dit, ce n'est pas sa volonté que tu périsses, jamais. Cet endroit qu'on appelle le lac de feu n'a pas été créé pour les hommes. Il a été créé pour Satan et ses démons. Mais les hommes qui ont refusé le salut, la mort de Jésus a été refusée par les hommes. Dieu dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il donne son fils. Toi, tu dis, je m'en fous, je fais ma vie comme je veux. D'accord, tu viens de rejeter la main tendue de Dieu. Mon frère, je t'en conjure, on t'a menti en te disant qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prend. Non, la plus grande et la plus belle des décisions dans la vie, c'est d'abord recevoir Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur. Frère, t'as dit, tu peux me dire tout ce que tu veux, parce que tu peux me dire, ah oui, mais je suis malade, j'étais malade, j'étais guéri. Non, on peut être guéri d'une maladie et puis périr, ne pas être sauvé. Donc, c'est pas le fait d'être guéri, c'est pas le fait de se marier, c'est pas le fait d'avoir un enfant qui te sauve. Non, Jésus a dit, personne ne rentrera dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. Pour naître de nouveau,
pour recevoir Jésus, le Messie, comme Seigneur et Sauveur. C'est là qu'il te donne une nouvelle vie. Et là, tu rentres dans une nouvelle année. Et là, maintenant, on peut te dire, bonne année. Le plus beau des cadeaux en ce 31, c'est de donner la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit dans le Fils unique, dans l'œuvre, dans le sacrifice du Fils unique, quiconque dit au Fils unique, Jésus, je ne te connaissais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois en ce que tu as fait pour moi. J'accepte, viens dans ma vie, Jésus le Christ. Tu es mort pour moi, tu es mon Sauveur, mon Libérateur. Et tu me donnes une vie nouvelle, Jésus de Nazareth le Christ. Pas la religion, Jésus le Christ. Alors le Père dit, bravo mon fils, tu as pris la plus belle, la plus importante et la première de toutes les décisions de toute ta vie. Jésus de Nazareth le Christ. Quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie divine, elle commence maintenant. Elle se poursuit dans l'éternité. Mais tu commences d'abord en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela que nous allons intensifier le témoignage de Christ, l'évangélisation, en gardant le même message. Vous ne voyez pas que tous les jours je dis la même chose. Parce qu'il ne faut pas aller chercher des nouveautés. Il n'y a pas de nouveautés. Il y a l'évangile, un point, un trait. Dieu appelle, Dieu sauve, Dieu restaure, Dieu délivre. Je ne cherche pas à dire de nouvelles phrases. Non! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a sacrifié le fils. On n'est pas là pour faire de la rhétorique, on est là pour faire des appels au salut. Afin que les âmes soient sauvées, que le Congo soit sauvé. Quelqu'un me dit Amen. Alors, inclinons la tête maintenant, en signe de révérence envers Dieu. Et avant de rendre le micro, je lance un appel. Tu es là ce matin, tu as entendu. Tu sais, nous sommes le 31 décembre. Dieu veut t'offrir le plus beau des cadeaux. Le Père est là, il attend ses enfants. Papa est là. Papa t'aime, papa te chérit. Et il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié Jésus le Christ, son fils unique. Pour toi, tu deviens son fils à lui aussi. Alors aujourd'hui, Dieu appelle des gens de tout âge. Tu as quoi, 10 ans, 8 ans, tu es qualifié pour être sauvé. Tu as quoi, 15 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans. 1000 ans, ce n'est pas possible. Tu es qualifié pour être sauvé. Dieu t'appelle. Dieu appelle aujourd'hui les hommes à se tourner vers lui. Le temps passe. Le 31, le temps est passé. Dans un an, le temps va encore passer. Tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Mais tu sais au moins que tu prends la décision aujourd'hui de recevoir Jésus, le Christ, comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Alors Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant et avoir une nouvelle vie pour vivre une véritable nouvelle année? Sinon, c'est de l'hypocrisie. Qui veut recevoir Jésus-Christ? Dans les salles annexes, levez votre main et mettez-vous debout là où vous êtes. Jésus n'a pas eu honte de se tenir debout pour vous. Si celui qui a honte de se tenir debout, c'est son problème. Il a dit, quiconque aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Il y a des décisions qu'on prend, on les prend en affirmant, en s'assumant. Je demande à la famille d'acclamer Dieu pour les encourager, de les acclamer. Parce que c'est la plus belle et la plus noble et la plus grande décision. Recevoir Jésus-Christ, recevoir la vie. J'ai dit, on les acclame avec nos cœurs, pas avec nos mains, avec nos cœurs. Quand quelqu'un est sur le point de prendre une décision importante, on acclame Dieu pour l'encourager. En acclamant comme ça, nous sommes en train de vous dire, les amis, ne vous y trompez pas. C'est la plus belle décision que vous puissiez prendre. Qui vous a dit d'arrêter d'acclamer? On n'arrête pas d'acclamer. On est en train de les encourager. On les encourage. Non. C'est la plus belle, la plus importante de toutes les décisions que vous puissiez prendre. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas la peine d'hésiter, maman. Au contraire, c'est le jour du salut. C'est le jour de la nouvelle naissance. C'est le jour de la nouvelle vie. Ne hésitez même pas. Ne laissez pas Satan vous embrouiller. Il est à la porte de votre cœur, il est en train de frapper. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, il faut ouvrir la porte de ton cœur. C'est le cœur qui doit ouvrir la porte. C'est le cœur qui doit accepter. Est-ce qu'on peut continuer à les encourager afin qu'un plus grand homme se lève? C'est le jour du salut et c'est maintenant. C'est le jour du salut et c'est maintenant. Si tu ne te lèves pas, ça veut dire que tu ne reconnais pas, tu n'apprécies pas l'œuvre de Jésus le Christ à la croix pour toi. Il y a quelqu'un encore qui manque. Il y a quelqu'un qui doit se lever. Il y a quelqu'un qui doit répondre. Mais tu es en train d'hésiter. Tu es en train d'hésiter. Jésus dit non, moi je n'ai pas eu honte de toi. Voilà, c'est à toi que je pensais. C'est à toi que je parlais. Je vois dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui veut se lever. Mon frère, on est en train d'acclamer pour vous.
Parce qu'on entend le dire, c'est la plus belle des décisions que vous puissiez prendre. Décision noble de recevoir la vie, entrer dans le royaume. Demain, on vous appellera les héros de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Comment on fait pour naître de nouveau? C'est simple, frère. On dit simplement à Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Il a dit dans sa parole, dans Romains 10, verset 9, il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Christ et que tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Tu vois, ce n'est pas un rituel, il n'y a rien. C'est juste une affaire de cœur et la bouche suit ce que le cœur est en train de dire. La bouche parle, le cœur parle. Mais l'Esprit de Dieu me disait qu'il y en a qui sont en train d'hésiter. Non, mon frère, écoute-moi, j'insiste. Quand tu es sur le point de prendre la plus belle, la plus courageuse, la plus importante de toute décision, aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas faire pour faire la décision. T'inquiète pas, il va venir habiter en toi dans quelques instants, il te donnera une nouvelle vie. Ce n'est plus sur toi que tu vas compter, mais sur sa capacité qui sera en toi pour t'aider à faire. Il a changé la vie de beaucoup d'entre nous. Ceux dont la vie ont été changés, dites-moi un bon amen. Hein? Ceux dont la vie est en train de te changer, dites-moi un bon amen. Nous tous, on a commencé comme ça. On a commencé en titubant, on a commencé en hésitant, on ne comprenait pas. Mais quand on s'est engagé pleinement par sa grâce. Et je ne peux pas vous dire que c'est moi qui ai fait, c'est sa grâce, sa force qui m'a soutenu. Nouvelle vie, nouvelle année, ça marche. Mais il n'y a pas de nouvelle année s'il n'y a pas de nouvelle vie. Vous allez répéter avec moi cette sainte prière du salut. Et toute l'assemblée va répéter avec vous, parce que vous n'êtes pas seul. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Et je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, par une décision de ma volonté et par ta grâce, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'invite, Jésus-Christ, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te remercie, tu pardonnes mes péchés, tu effaces mes péchés, tu effaces toutes mes fautes. Aujourd'hui, je suis pur parce que ton sang précieux me purifie. Père, Père céleste, Père dans le ciel, merci de m'avoir attiré, merci de m'avoir appelé, merci de me faire la grâce de voir mon nom inscrit dans le livre de vie. Je te rends grâce, je te rends gloire, car désormais, tu es mon Père, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton Fils. Je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je déclare maintenant, en vertu de cette simple prière, que désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont effacés. J'appartiens désormais à la famille de Dieu. Je deviens citoyen du royaume de Dieu et je rends gloire à Dieu et je suis reconnaissant dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame Dieu pour nos bien-aimés. Tournez-vous vers eux, dites-leur félicitations et bienvenue dans le royaume. Famille, c'est, mettez-vous debout. Et dites-leur félicitations, félicitations et bienvenue dans le royaume. Allons, ICC, mettez-vous debout dans ce lieu.